On va faire un petit truc. Bien sûr. Alors, studio vidéo, juste. Hop. Voilà, c'est bon. On supprime l'épreuve. Preuve supprimée. C'est parfait. Ok. Re. Oh, mais la dinguerie, je m'y attendais pas. Ban à cause de Kevadam. Aïe, 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 terrible. Bon, ça devrait le faire, vous inquiétez pas. Donc, oh là là, heureusement qu'on a le rôle de Damdam sur Twitter. Heureusement, 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 heureusement. Ici, c'est YouTube, on n'est pas, pas le prévoir. C'est sur YouTube, on peut pas le prévoir. Ah, bah oui, c'est ça, bien sûr, on peut pas prévoir. Mais tout va bien se passer, vous inquiétez pas. La réactivité est impressionnante. Non, mais on était rapide, on a enlevé, ne vous en faites pas. Ok, donc, Gangsterdam, bah rien que pour ça. Rien que pour ça, c'est flop. Rien que c'est ça, c'est flop. On n'a rien vu. Vous avez vu un truc, moi? Moi, j'ai perso, j'ai rien vu du tout, personnellement. Enfin, bref. On a juste vu une bande-annonce, c'était pas fou, et voilà quoi. En vrai, moi, j'ai rien vu du tout pour le coup. Gangsterdam, bah, on peut dire que c'est un peu flop comme le The Event, hein, quand même. Hein. C'est pas fou. Hein. Il y avait R, en vrai, il y avait R. En vrai, il y avait R. Bon début live, bonjour, trop content de vous retrouver pour le deuxième jour du The Event. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On reprend juste aujourd'hui tranquillou avec les. Comment dire? Avec les donation goals. On est en train de faire la tier list justement de The Event. En fait, on n'a pas la ref. En fait, on sait pas ce qui s'est passé en vrai. Du coup, Gangsterdam, pas la ref. Haters! Salut les ponchos, salut les ponchas, ici Thomas le Lama. Thomas le Lama. Oh putain, alors ça, j'ai vu le film. C'est dur. Bah, le youtubeur à succès qui s'apprête à dépasser le million de followers sur sa page YouTube. On a tous hâte de savoir ce que va faire Thomas le Lama pour sa vidéo du million. Une grosse surprise. Me dis pas qu'on est en direct sur ta chaîne. Si, je voulais que tu sois la star de ma vidéo du million. Là, on est tous choqués sur la dernière vidéo qu'a posté Thomas Lama, le mec a fondu quoi. Mais ça va, détends ton petit abricot là, c'est pas comme si tu découvrais les haters. Ouais, mais là, il y en a vraiment beaucoup. On va en sélectionner 10 et on va aller les voir, pour de vrai, dans la vraie vie. Et on va voir s'ils osent me dire en face qu'ils écrivent cachés derrière leur ordinateur comme des petits rats. Oh putain, j'y crois pas. Alléluia. Pardon, mais vous êtes qui, vous? Thomas. Attends, je regarde juste. C'est pas une dinguerie? Non, je crois que c'est ok. Thomas! Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, putain! Vas-y, qu'est-ce qu'il me veut la vedette là? Ben, moi à la base, je voulais aller mettre des grandes gifles à tous mes haters. Vous êtes un peu con en fait. Et plus je les rencontre, ta gueule! Plus je réalise qu'en fait, j'ai reculé! Ceux qui ont la rage contre moi, c'est parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes. Tu veux une grande baffe dans ta gueule? Parce que je suis juste le reflet de ce qu'ils aimeraient être. Il a l'air con ou c'est moi? Il est toujours comme ça, ton pote? Bon, t'enculé! Alors, j'ai vu le film, donc je peux vous donner un avis pour le coup vraiment complet dessus. C'est que c'est à chier. Voilà, je vous le dis, malheureusement, c'est vrai que le délire des haters, c'est tout machin. J'avoue que ça m'a même un peu mis mal à l'aise. Voilà, je suis désolé, hein, je l'ai vu et j'avoue que c'était un peu clacasse au sol quoi. C'est zéro, non. C'était... Pourquoi voir ça? Bah parce que je voulais me faire un avis. On peut se faire un avis sur les choses. Et c'est non. C'est non, c'est non, c'est non. Voilà, je suis désolé, mais Hater, c'est un flop. Hein. Je suis navré. On n'a pas trop kiffé, quoi. Ensuite... Le budget de casting. Bah, en fait, il y a un beau casting. C'est ça qui est relou. C'est ça qui est relou. Ça qui est terrible quoi, c'est que vraiment ben il y avait un beau casting. Du coup il a fait quoi pour mériter ces haters? Bah il avait mis une vidéo en ligne quoi, de ce que j'ai compris, mais là il méritait un peu quand même, là il méritait un peu, ça qui est terrible quoi. Ça qui est terrible hein. Donc bon terrible quoi. Ils ont mis le budget. Ah ouais, terrible. Aïe, 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 aïe. Mais bon, le scénario est pas fou. Ensuite, c'est Kidon. C'est quoi ça, Kidon? Jamais, je sais pas ce que c'est. Kidon. Pourquoi ça marche jamais quand...
La victime est un homme, un Palestinien, Mahmoud El Mafrou. Il était âgé de 50 ans. Les experts s'accordent pour attribuer cette opération au Mossad, et plus précisément au Kidon. On peut m'expliquer ? Attends, on va juste pré-check avant. Kidon est notre unité assassinat. Ils ont rien à voir avec nous. On sait pas qui sont ces clowns, on les connaît pas. Daniel Lévy, 38 ans, né en France, un as de l'arnaque. Tomer Sisley, la vache. C'est fait, on enchaîne. Antoine Simon, surnommé Facebook. Merci beaucoup Charlie, merci pour les 10 euros. Comme une face. Et un book. Elav Schwartz, 25 ans, étudiante. Tu m'as appelé, boss. C'est quoi ce doublage par-dessus? Eric Fleeman, dit le doc. Il croit tous les trois qu'il bosse pour le Mossad. C'est à cet ordre, non? Daniel est entré dans l'hôtel quelques dizaines de secondes avant ma pro. Et alors, vous avez fait quoi? Arrête, Doc. Alors, on a improvisé. Vraiment n'importe quoi, tout. Quoi? Je suis sûr qu'il nous a repéré avec des conneries. Mais n'importe quoi, j'ai été hyper discret. Mais si y a un truc qui fonctionne pas, c'est toi, là, en sportif avec tes jambes de crevette. Ça fonctionne pas du tout. Quoi? L'ordinateur de Mabrouk, peut-être? Il contient des informations cruciales sur le programme nucléaire iranien. Je l'ai, Diamant. Vous avez l'ordinateur? Oui, oui, bien sûr, oui. Tu connais, toi, en Diamant? Non, mais j'ai pas besoin. Je sens les jambes, surtout dans le regard. Ah ouais, c'est rassurant, ça, que ce soit dans ton regard. C'est parti. Vous allez faire le ménage. Oh là là, mais c'est haut, oh, c'est long, hein. C'est pas aussi simple que ce que tu penses. T'as un mec, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, on a rien eu. Je crois qu'on va arrêter de regarder. Non, mec, j'ai un timing de pauvre. Non, non, par contre, attention. Mec, j'en peux plus, c'est trop. Kev Adam, j'en peux plus. Y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'avait rien, y'a pas eu de téton. Vous calmez-vous. J'ai viré le truc au dernier moment, mec. Heureusement que t'es venu à ce moment-là. Non, mais c'est stop. Mec, on va juste arrêter de mettre les bandes annonces de Kev Adam s'il y a trop de trucs comme ça, mec. Insupportable. JPP mec. Je crois qu'on va juste plus regarder bande annonce de Kev Adam. Bon. Il y a du cul dans ces films, c'est horrible. Non, je suis pas d'accord. Ban Adams. Ah non, c'est bon. Bon, les profs, c'est. Bon, Love. Bon, bon c'est flop, hein, comme le The Event. Hein. La tête d'étoile. Mais à chaque fois! A chaque fois là, c'est insupportable, ça fait deux fois, bah c'est bon, c'est trop. Ça va nous coûter notre chaîne, hein. Prof Gauthier, le prof 1 ça se regarde, prof 1 ça se regarde. Ça se regarde sans plus quoi. Prof 1 ça se regarde sans plus. Prof 2, tu joues avec le feu. Non mais c'est pour ça, on va arrêter de... On va arrêter, on va arrêter, on va arrêter. C'est de la merde les profs. Les profs 2, same. Ça se regarde aussi. Moi j'avais regardé, j'avais pas trop kiffé hein, les profs 2. Hein. Prof 2, septième. Moi je pense que Love Addict. Attends, c'était quoi déjà Love Addict? Oui, c'est un mec qui était tout le temps amoureux et tout, c'est ça? Ah, il manque à la 2 aussi par contre. Bon, à la 2 c'était trash tier, hein, by the way. Prof 1, God tier. Le prof 1 c'était mieux, mais ça se regarde, mais sans plus les profs 2 quoi. Après Love Addict c'était. Love Addict c'était bien. Moi j'ai bien kiffé Love Addict, c'était pas si mal. Après le là-haut, tout là-haut, je sais pas ce que c'était. Maison de retraite, je l'ai pas vu, je sais pas. Pas la ref pour l'instant de maison de retraite. Maison de retraite, God tier. Ah ouais? Apparemment c'est très. Apparemment c'est un film qui est pas mal apparemment. Là-haut est bien aussi. Bon, là-haut, ça devrait aller normalement. Là-haut, c'est ok. C'est un mec qui escalade des trucs. Action. Salut à tous. Bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Et avec son Chamonix, c'est là où il y a les meilleurs. Je vais tout casser. Pas mauvais, le petit avec le foulard, là. Tu connais? Non, pas envie. Et moi, je vous connais, j'ai vu tous vos films. S'il vous plaît. Fou, là, nuit. On pourrait peut-être aller rider ensemble pour quelques images, non? Je suis avec Pierre, non, y a rien, fois, rien. Les amis. Dis piou piou. À chaque fois, on est grands riders, on est sur nous. On a marre. Tu veux devenir une star, gagner du fric, faire animateur télé. Me rappelle quelqu'un? Je suis pas si con. C'est avec Serge Azanavicius, c'est marrant ça. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie?
Tu m'emmerdes. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok. Ça a l'air ok tiers. Non, ça a l'air ok tiers. Pour avoir vu, c'est un très beau film. Ok. Ça a l'air ok tiers plus quoi. Ah, c'est John qui passe son selfie. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, t'as un mode temps et tu toujours. Et j'ai pas la rêve de truc américain. Prenons pas de risque. Mais du coup, le God tier, c'est quoi en fait? C'est quoi son meilleur film au final? C'est quoi son God tier? Celui qui mérite d'aller tout en haut? Moi, j'avoue que j'ai bien kiffé Fiston. Hein. Top Gun 3. Moi, je pense que c'est moi celui que j'ai préféré voir de lui, c'était Fiston hein, pour le coup. Il y avait un truc un peu de délire, passation entre lui et. Entre lui, comment et. Et Franck Dubosc et tout. En vrai, ça allait quoi. Ah, mais il a fait Sac de Bille aussi, ouais, c'est vrai. Mais il avait pas un rôle principal en Sac de Bille, c'était pas la tête d'affiche quoi. Mais God tier, on s'entend. C'est son meilleur film quoi, Fiston. Regarde la BA de maison de retraite. Maison de retraite, bande annonce, ok. 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va? On sort bien? Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Beaucoup pour Erika, merci pour les 5 euros. Bienvenue au Mimosa. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer. Alfred. Enchanté, Milan. Ferme ta bouche, je te la ferme. Elle, c'est Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. J'essaye. Alors, arrêtez. Moi, c'est Alfred. Mais quel con, foulard. Putain, y a Gérard Depardieu et tout, c'est incroyable. Mais je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourd, ma grande. Je peux plus travailler ici. C'est un enfer. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. C'est un petit con, bien fait pour lui. Il faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Tu sais qu'il est ta plus grande force, même. Ta douleur, là. Gauche-droite, voilà. Il n'y a pas de super-héros sans maman sombre. T'as compris? Oui, chef. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. Vous êtes qui? Madonna. Un, deux... Ouais, non, laissez tomber. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Ben, je fais de mon mieux. Vous te plains pas? Ça a l'air pas mal en vrai. Ça a l'air assez mignon. Mais je crois qu'il y a des gens qui disaient que c'était, que c'était assez bien. Bon, on dit en haut, mais c'est génial ici. Au bordel. Terrible. Il y a plein de gens qui disaient que c'était pas mal. C'est très bien. Soda et God Tier. Mais ça, c'est une série, c'est pas un film. Gros casting. Attends, il a une belle note à nos ciné. Attends. Maison de retraite film. 3,4 sur... Ouah, presse 2,3, mais spectateurs 3,4. Ah, c'est marrant, la différence entre presse et public. Comme quoi. C'est pas si mal, hein. Comédie française, 3,4 millions, c'est pas dégueu. 3,4 millions, c'est pas... En même temps, t'as vu le casting aussi, il y avait du monde, hein. Bon, messieurs, dames, voici la tier list des films de Kev Adams. Je pense qu'on va rester là-dessus, à mon avis. Hein. C'est pas si déconnant, hein. Avec Fiston God tier, moi, ça, j'avais bien kiffé. Après, ça reste évidemment subjectif. Merci beaucoup pour les donation goals. Merci beaucoup, Mélie, merci pour les 20 euros. Merci beaucoup, Drag, merci pour les 2 euros. Quelle tier list, messieurs, dames, quelle tier list.
Quelle tier liste de fou. Bravo, bravo à toutes et tous. Et regarde qui est le god tier. Vous avez mis les profs 1. Ouais, mais parce que vous êtes plus à avoir eu les profs 1, c'est pour ça. Une tier liste de ban. Ne vous en faites pas, no stress. T'as suivi l'Euro de basket, Rive? Non, j'ai pas du tout suivi, j'ai pas vu ce qu'a fait la France. Je sais qu'ils avaient perdu en ouverture contre l'Allemagne, après j'ai pas suivi ce qui s'était passé. Tier liste à haut risque. No stress. No stress, no stress. Bon, du coup, on a validé quand même pas mal de nos donation goals au final. On a validé pas mal des donation goals. Donc, on a bien avancé. On a bien avancé puisque, du coup, on a fait. Profit Gimimor, c'est fait. Je regarde avec un copain streamer, Sauce Piquante, c'est fait. Thierry Skavadam, c'est fait. Marabout, c'est fait. On va essayer de le refaire. Je finis la blague du poisson rouge, ça c'est fait. Et on a des games de Palais Breton. On a gagné plus 1 en prolongation. Ah ouais, très chaud. Victoire plus 1 en quart. Waouh, on a eu chaud. Je suis le Grand Prix de Monza demain. Bah, on est en plein The Event, donc je pense pas que j'aurai le temps, à mon avis. Je pense pas que j'aurai le temps. C'est quoi la blague du poisson rouge? Oh, je l'ai déjà fait à 1000 euros, ça a duré 1000 euros. Vous en faites pas. Vous en faites pas. Putain, Cozy Event, improbable. Improbable, hein. Je vais faire un petit tour vers cette place, voir ce qui s'est passé là, au The Event Place. The Event Place, messieurs, dames, sachez que. Voilà, The Event Place est en cours. The Event Place est en cours. Alors, on a le cerveau ici qui se fait un peu bouffer, hein. Faites attention. Hein. Alors, je sais pas, est-ce qu'on est un peu statué sur ce qu'on allait faire au final ou pas? Il va falloir qu'on se redonne un petit peu. Hein. Il va falloir qu'on se redonne un petit peu. Hein. Vous pouvez installer des overlays normalement. Je pense que sur les appels, vous pouvez trouver le moyen de le faire. Pour installer les overlays, pour aller poser des carrés. Ah, il faut upgrade pour 5, il faut trouver le. C'est du rose clair qu'il faut. Il commence à coûter cher, hein, les. Il commence à coûter cher, hein. Les pixels là, hein. Merde, c'était un blanc qu'il fallait. Je vais dessiner un petit peu. N'hésitez pas à refaire le cerveau ici aussi. Je redessine un peu. L'overlay permet de savoir où sont positionnées en fait les petites cases. Overlay que vous pouvez installer bien sûr. Hop là, petit rose clair ici. Petit blanc ici. N'hésitez pas, vous pouvez venir aussi. Un petit rose clair. Putain, ça coûte cher en crédit quoi. Après j'en ai, j'ai du crédit. Après là j'ai refait du coup tout le haut. Donc normalement c'est le Discord qui organise ça. Donc vous pouvez aller checker tout sur Discord. On vous donne toutes les infos sur le Discord pour savoir comment faire ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Il vous explique comment faire ça. Moi, ce que je vous conseillerais, ceux qui veulent venir dessiner, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller renforcer les frontières, on va dire, du cerveau. D'aller les renforcer et de... Pour qu'on ait une sorte de safe place, quoi. Genre, vous pouvez upgrade, en fait, certains carrés. Et le but c'est d'aller renforcer les carrés, les carrés noirs et tout ça machin, donc hésitez pas. C'est terminé, ouais, la tier list est terminée. La tier list est over. Effectivement. Exactement.
je veux aller, j'ai vu le clip là de Dame Dame qui a regardé avec moi Kev Adams, incroyable. C'est quoi la blague du poisson rouge? Oh non mais j'ai déjà fait s'il vous plaît. La blague du poisson rouge, mais non, vous allez voir le début du live d'hier, vous allez avoir les infos. C'est quoi le prochain Donation Goal? Alors le prochain Donation Goal, messieurs dames, vous avez des missions. Alors on va faire peut-être une toute petite pause, histoire que j'aille juste boire un petit verre et machin. Alors, les deux prochains Donation Goals sont assez importants à pas se le cacher. Le prochain 20 000, c'est concours d'anecdotes avec Charles Villa. Soyez là. Donc c'est à 20 000 euros. Et le prochain, bien sûr, c'est l'objectif de la journée. C'est le Donation Goal à 25 000 euros. Je démolis Ponce au catch. Donc voilà, c'est le Donation Goal à 25 000 balles. Et voilà, donc n'hésitez pas, ça va être l'objectif d'aller le chercher aujourd'hui. 25 000 euros, ce serait le mieux. Ah, je vais devoir le démolir, non, bien sûr. Donc je démolis Ponce au catch. Donc n'hésitez pas, donnez 25 000 balles. Et puis voilà, quoi, c'est l'objectif de la journée tout simplement. Donc n'hésitez pas à donner et on va se régaler. Merci beaucoup Donateur Nani qui a donné 20 euros il y a 3 minutes. Archimède pour les 10 euros. Est-ce que vous Mélie aussi pour les 20 euros? Merci beaucoup. On fait le catch avec Michel Beaujolais en arbitre. Ouais, bon, écoutez, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Bourrez les dons, messieurs dames. Donc n'hésitez pas. Vous avez les panels, donc pour faire les dons c'est très simple, vous avez un panel qui est en dessous le stream, vous pouvez faire un don et avec, vous pouvez aussi récupérer des points pour le Z-Place et faire le Z-Place aussi ensemble. Vous pouvez aller sur le Discord pour vous organiser avec les autres cerveaux. Et puis voilà, si vous êtes seul, les cerveaux de la nuit seront heureux en vocal tous les soirs sur le Discord, bien sûr les animateurs qui gèrent ça N'hésitez pas à bourrer. Donc moi je vais faire une toute petite pause, je reviens, je vais juste boire un coup, hop, je suis parti manger un morceau. Je reviens. Hop là. Je vous mets ça. Petit point info. Et let's go.
Re à toutes et tous. Re, messieurs, dames, re, bonjour. Re à toutes et à tous, bien sûr. Re. Re, messieurs, dames. Re, bonjour, ceux qui sont restés, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais juste enlever le petit point info parce qu'on est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? On va faire une game de Palais Brut. Parce qu'on vous l'avait dit. Mais ça fait. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas à bourrer les dons sur cette chaîne. Puisque on a le petit objectif de ce soir, c'est de faire 20 000 et 25 000 euros pour le samedi soir. Donc, n'hésitez pas. On va faire la petite game de Palais Breton. Puis après, on va se faire un petit rush de dons, je pense, sur la chaîne. Pour essayer d'atteindre les 20 000. Voilà, c'est notre petit objectif, on va dire. Notre petit objectif, puisque j'aurai peut-être une petite annonce. Si tout se passe bien, j'aurai peut-être une petite annonce après les Olympiades. Peut-être qu'on a une petite annonce après les Olympiades. Donc voilà, donc soyez là, parce qu'on a les Olympiades into quelque chose de cool si ça se passe bien. Bonjour Chiche. Yo. Ça va mec? Ouais. Alors, on va installer le Palais Breton. Je vais juste changer de micro. Tac. Et puis voilà, OMG leak. Et le marabout, on peut pas tout faire. Restez calme. Re. Je vais prendre le micro main, ce sera plus simple. Il est tout peu... Attends, je vais peut-être un tout petit peu mettre un plus de... de patates, voilà, ce sera mieux comme ça. Alors, comment il va Chicheyou là? Il est là. Il est chaud, ça va mec? Bah écoute, ça roule. Let's go, on va pouvoir setup ça. Est-ce que tu peux te laisser animer juste deux secondes le temps que je mette en place le Palais Breton mec? J'espère que vous passez un bon bide tous ensemble là. On vous a passé un énorme flop. En vrai, tout s'est joué dans les dernières secondes. Là. Je suis allé voir Rive, il m'a dit Palais Breton, j'ai fait vas-y là. J'ai 20 minutes, on se fait le Palais Breton de légende. En plus, j'ai jamais joué au jeu. Mais on m'a dit que c'est comme d'autres trucs. Que genre qu'encore une fois, la Bretagne, elle aurait mal versé, elle aurait pris l'idée autre part. Bah je sais pas, on m'a dit Palais Vendéen, je sais pas quoi. Non? Non mais ici, vous êtes acquis à la cause, non? Vous êtes acquis au drapeau? Je comprends. Bon, sachez qu'un Normand va jouer au Palais Breton, donc je m'excuse auprès de toute ma communauté. Mais il faut tester. Il faut pas mourir con, donc c'est parti. C'est pas mal le micro d'ambiance, en vrai c'est ultra utile je trouve. Ouais, tu peux. Fil et du coup ce sera plus pratique. Bah ouais, le câble XLR de dingue quoi. Va mal verser la game, bah là je suis là pour. Hein. C'est mal versé. Putain, hier on a fait du samouraï. Ah Kirby Samouraï, ah oui. Incroyable. Je lui ai fait découvrir Kirby Samouraï, il est parti, il fait ouais bon j'y vais. Il est venu 2 minutes après en mode bah petite der, ouais, petite der, golden. La golden. Classique. Mec, ouais. Je vais t'expliquer les règles du Palais Breton, je te prête ceci. Alors le Palais Breton c'est très simple, on va se tenir un peu limite plan de cam, donc on est environ à 5 petits mètres, je dirais, ouais c'est ça, on est à 4-5 mètres on va dire ici. Et le but quel est-il? C'est qu'on a un petit, type un peu cochonné tu vois ici. Le but c'est de le mettre sur la plaque. Et un peu comme à la pétanque, si t'as déjà joué, de mettre nos palais les plus proches possible du petit. Bien sûr. De manière, quand t'es plus près, moi j'essaie d'être plus près de toi, etc. etc. Et j'imagine que celui qui est le plus loin, c'est lui qui tire. Exactement, c'est tout à fait ça. Si tu es sur la plaque, ça ne compte pas. Si ton palais rebondit d'abord en dehors et va sur la plaque, ça ne compte pas non plus. Tu peux pas, y a pas de technique de ça rebondit et puis après c'est dessus. T'atterris direct sur la plaque, proche du... Exactement, tout à fait. Donc il y a quand même une technique de bien faire monter haut le palais pour qu'il puisse... Exactement, pour qu'il claque. Okay, exactement, donc il y a un truc où ça claque quoi tu vois. Donc tu peux t'essayer un peu, essaie de janter 2-3 palais, on fait ça en 8 points. Je vais me lancer sur l'edge, ça va être incroyable. Non, doucement, t'inquiète. Et donc la technique c'est... C'est vraiment un lancer vers le haut. Alors moi vraiment c'est plutôt un lancer où tu vas venir pincer, non, je vois pas, où on vient en fait pincer ici, t'as ton petit doigt qui vient se caler en dessous, et le but c'est quand tu vas lancer, faire une sorte de quart de tour pour donner une petite rotation qui va permettre au palais de rester plat. Mais de lancer vraiment haut, tu vois, genre. Comme ça, il plaque, quoi, tu vois. Là, j'ai pas mis sur la plaque, mais vous avez l'idée. Voilà, ouais, j'essaye. Là, j'ai pas touché la planche, mais dans l'idée, c'est que vraiment... J'ai vu le geste. Ouais, t'as vu le geste. Ah oui, puis avec les jambes et tout. Voilà, et normalement, ça peut plaquer. Et là, il a rebondi.
Monstrueux, c'est exactement ça, mec. Le fast learner. Le fast... il m'a battu, je suis déjà battu en fait. Je suis déjà battu, il est juste meilleur que moi pour l'instant. Il est juste trop fort. Voilà, t'as compris les règles. Bien. Tu es l'invité, donc on va récupérer nos palais. Et une fois que ceci est fait, c'est parti. Merci beaucoup à ceux qui font des dons. Je le rappelle, objectif de ce soir, il faut qu'on ait atteint les 25K. Donc merci beaucoup. On se fait un petit rush, merci beaucoup, donateur anonyme. N'hésitez pas, on est parti. On bourre les dons, c'est très important. Si on arrive à un petit truc, voilà, si on arrive à 20 000, 25 000, petite surprise ce soir. Et prédiction dans le chat, bien sûr, pour qui va l'emporter. Je te laisse mettre le petit. Faut le poser, exactement, faut le toss. C'est un peu, il est pas facile parce qu'il est léger, tu vois. Il est un peu plus léger. Vas-y, vas-y, essaye-toi dessus. Essaye-toi dessus. T'as tout à l'heure encore. Vas-y. Le cochonnet. On a un peu galéré hier avec Berlu. Parfait mec, à toi de jouer. Il est dur. Il est dur à placer mais t'inquiète, ça va le faire. La marque chaussure là. Ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça mec. Marque chaussure. Très chaud. Écoute, j'ai fait ça toute ma vie en fait, c'était un mensonge. Quelques années de club vers... Ah mais ça joue hein. Est-ce que genre les gens qui jouent très bien arrivent à faire des carreaux, des trucs comme ça? Ah ouais. Oh là là. Je suis plus loin à chaque fois. Ah, ça dégoûte. Et là donc si j'en mets plusieurs, tu marques plusieurs points. Le joueur breton déjà dans la sauce. Mais mec. Mais mec, t'es trop fort! En détente! Insupportable! Insupportable! Si je fais sortir le babé là, le cochonnet, ah, c'est mort. À sa fin de ça la sort. Game. C'est comme en pénant, si je fais sortir le cochonnet du terrain, c'est fini, mec. Horrible lancé. Horrible personnage. Ça fait 2-0. Oh, comment j'ai sué mes grands morts! Oh là là là, oh, ça fait bader. Hein. Merci beaucoup Sigmund, merci pour les 10 euros, petit don annuel, merci bon event cousin chez WAM, c'est plutôt le palais vendéen mais on accepte bien sûr. Donc ça fait 2-0, la modération veille au grain, let's go, merci beaucoup et vas-y t'as gagné le point donc relance le petit, let's go c'est à toi, let's go. Ah ouais 2000 balles quand même, 2000 balles, aïe 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 aïe. Ah, c'est. Merci beaucoup en tout cas pour les 10 balles. Et on fait grossir cette cagnotte, bien sûr. C'est bon. Attends, on la joue, mec. C'est toi. Tu es devant. Il est pas bon, il est cassé. C'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer. Ah, chier. Oh non, putain, il est bon. Il est très très chaud, le joueur breton. Il roule. Il revient ou pas? il revient. Pas assez fort. Aïe. Je crois que je l'ai, je le garde. Je garde le micro dans la main. Et pardon, je t'ai laissé avec le micro. T'inquiète. La remontada. Oh là là, pas passé loin du drame. Bah du coup j'ai les 3 du coup. En fait j'ai les 3 parce que vu que j'ai tapé le petit ça l'a rapproché des autres alors que normalement j'en... Donc ça fait 3-2 pour le joueur breton. Yes. Let's go. 3-2. En tout cas les points vont un peu plus vite que contre Berlu hier. Pas être médisant mais... Ah oui j'ai gagné. Vas-y hop. J'ai mal à poser le petit. Bon, j'ai pris une fessée, mais bon, il s'est fâché, normal. Un Normand qui lui met 2-0, à mon avis. C'est vrai que... Oh, il est dur celui-là. C'est un match pour le gain du Mont-Saint-Michel, tout simplement. Donc, c'est le Mont-Saint-Michel qui est en train de se jouer là sur cette rencontre. Putain, aïe. Je le remets en jeu. Il met en jeu. Ok, très bien. La région, on joue le Mont-Saint-Michel entre un Normand et un Breton. Putain. Pitié, quoi. Maintenant qu'il y a de l'enjeu, c'est compliqué quoi. Croyez, il joue. Ok. Ça reste sur la plaque. On reste sur la plaque.
Merci beaucoup BZH Suprématie, merci pour les 5 balles, merci beaucoup. Ah là il était sur moi mec. T'es un peu envahissant quand même. Oh j'ai badé mec. Ok, j'ai cru que t'allais rester collé juste à côté. Oh, j'ai envie de péter. Il est tellement précis qu'il tombe sur le cochonnet, il le dégage. Je vais tout péter. Allez, allez, un seul point, ce serait pas mal. Oh yes, 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 yes. 4-2. 4-2. Ouais, on peut, t'inquiète. Tranquille, tranquille. C'est rien n'est joué, rien n'est joué. Ouais, tu viens de gagner la manche. Ouais, c'était la marque. On joue en règle réglementaire là. Mais ouais, mais là il est en détente là. C'est posé directement. Aïe aïe aïe. Terrible. Je tente des trucs qui n'existent pas, il a dit. Ça n'existe pas. Ah là 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 là. C'est maintenant ou jamais. Oh non, terrible. Petit bras. Ah là là, le Mont-Saint-Michel qui s'y doit. Le Mont-Saint-Michel, il est en train de s'envoler là. Faites des dons pour rattraper le Mont-Saint-Michel là. Ah bah il a tout ce qu'il met sur la plaque, c'est juste gagner. Il faut viser la plaque et c'est bon quoi. Ça sent le 7-2, c'est le 7-2. Coup dur. 7-2. Wow, j'ai là pas là. Marqué un point. Ouais, là, je me suis réveillé. Pour l'instant, le... Chichiou qui joue sans lunettes. Tu joues avec des lunettes d'habitude? Non, mais j'ai des lunettes, mais là, j'ai pas besoin de lunettes. Ouais, c'est ça. Y'a pas d'excuses. C'est juste, j'ai un astigmatisme à la gorge, qui fait que si je reste trop longtemps devant un écran, ça fait sur mes yeux et j'ai mal. Ah oui, ça fait mal, genre à la tête? En fait, de forme sur les yeux. Comme j'ai un tout léger décalage des yeux, l'œil gauche, il force à balle quand je suis sur un écran pour pas que je vois deux images quoi. Mais c'est vraiment tout petit, mais à force de le faire tout le temps et genre passer 10 heures par jour sur un PC, normalement j'avais des migraines de fou quoi. Aïe aïe aïe. Oui mais du coup faut quand même que tu. Du coup tu mets des lunettes quand même pour limiter ça? Ouais pour quand je suis sur le PC généralement. Et de l'orthoptie tu fais pour essayer de recaler? J'ai fait un bilan orthoptique et il n'y avait pas besoin, apparemment. On m'a dit tant que vous avez pas d'autres migraines avec les lunettes, normalement d'après le bilan c'était ok quoi. Ok ok, bon bah écoute. Pour l'instant, ça n'explique pas cette défaite. Ah ouais? L'orthopsie, c'est trop marrant. Mais tu regardes une girafe comme ça, là. Non, mais il y a que des gens qui ont fait l'orthopsie qui peuvent comprendre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça sent le réveil de ma part, là. Balle de match. C'est en combien, d'habitude? Ça se joue en combien? Ça se joue en 13. Ok, ok. Oui, bien sûr. Ouais, on la joue. Ouais, c'est vrai qu'avec rebond, normalement, c'est mort. Ouais, mais là, il est juste... Oh là là, avec roulade. Avec retournement. Le joueur à stigmate. Oh tu l'as. Là. Je pense que tu l'as. Je l'ai. Ça se joue à pas grand-chose, mais je l'ai. 500 boules. Tu l'as, en vrai je pense que c'est large. Let's go. Ça, mais ça joue là. Ça joue mec, hein. Ça joue de fou, sachant que si j'ai balle de match, hein. J'ai palais de match. Palais de match. J'ai, comme c'est des palais, je me dis que c'est palais de match. Oh non. Donc je rappelle, il faut être sur le petit. Il est le plus proche et il est dessus. Le palais est venu dessus, ok. Bon faut que j'arrive à te péter quoi. Let's go. La pression est immense. Le lancer pour le Mont-Saint-Michel. Oh, il a tenté de tirer. Je l'ai vu. Oh, il tente de m'éliminer. Écoute. Mais là, en fait, si je me sors, je me sors. Ouais, si tu peux pas trop te rapprocher non plus, quoi. Je vais essayer, genre, entre les deux, mais... Elle compte pas, il compte pas. Je te le sors. Aïe aïe aïe. Il est sous le setup de Lège. Lège, on va t'embêter un petit peu. Il est juste là. Non, il est là. Attends, vas-y, je vais y aller. Je suis revenu dans la game.
Dommage que ça compte pas. Ben oui, dommage. Mais regardez-moi ça là. Regardez, il est deux. Ah, il y a le focus qui. Il était en full discrétion. On a le temps pour une der. Une vraie der. Bah si tu la gagnes, c'est win. Bah ça fait 7-3 d'un côté. Faudrait que je place 4 palets, ça va être compliqué. C'est à toi de placer cette fois. C'est à toi, chiche. 7-3 donc pour le joueur breton. Le Normand qui doit se réveiller s'il espère pouvoir conserver le Mont-Saint-Michel. Ça joue là. T'inquiète. Normalement, on devrait la rejouer. Mais la Fédé n'est pas présente, donc on a le droit. Oh, bien joué. Il la pose direct. Il l'a claqué. Il l'a claqué sur la planche. Il la joue safe. Oh, la climatisation! Il fait un peu frais dans cette salle-là. Hein. Il n'y a pas la clim, mais... Ouais, c'est mort. Ça sort. Il peut pas rebondir avant. On le replace. Ouais, faut que tu me pètes, quoi, mais... Ouais, c'est bien, mais pas suffisant, quoi. Il a tenté quelque chose de filou. J'ai tenté un truc qui n'existe pas, encore une fois. On fait avec ce qu'on peut. Et non. Aïe. Oh, il en met un dernier quand même. 9-3. Et c'est la victoire. Ça commençait très mal et ça finit très bien pour le joueur breton. Qui va sur une poignée de main, le Mont-Saint-Michel qui revient en Bretagne. Yes. Les ingés arrivent très vite pour déconstruire tout ça et le replanter. Mais ça va prendre un peu de temps, je pense. On va le déplacer. Hop, bah écoute, incroyable. Merci mec d'être venu. C'est très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Là c'est quoi là, c'est Thierry's de bière. Ouais, Thierry's de bière, là je vais me connecter là, il est 15h. Je sais pas, c'est Sean, c'était sur 2H on goal, donc on va voir. Quand je vais arriver sur la page et qu'il y en aura 550, je vais faire ah. Mais non, en vrai on va bien se marrer. Ok, trop cool. Bah écoute, merci beaucoup. Yep, bon courage pour la suite. Let's go. Et puis de toute façon j'imagine que tu repasseras au stand pour un Kirby à un moment. Bien sûr, évidemment, on reviendra faire un petit Kirby. Je vais ranger tout ça. Okay. Et puis merci beaucoup. Merci beaucoup, chiche. Et pour l'instant, messieurs, dames, je suis invaincu sur le jeu, sur ce jeu, sur tout ce qu'on pourrait l'appeler de plein de manières différentes. Alors, il faut juste que je range tout, que je retrouve tous les palets. Parce que là, du coup, j'ai les 4 noirs, mais il me manque un blanc. J'en ai 3 blancs, là. Où est le dernier? Où est parti le dernier? Ah, il est là. Derrière moi, je ne l'avais point vu. Bon bah c'était cool. En vrai je me suis bien amélioré entre la première et la dernière fois. Enfin entre la première et la dernière fois, ça ne veut rien dire. Entre cette fois et la dernière avec face à Berlu où on avait un peu galéré ne serait-ce qu'à toucher la planche. Là on était sur la planche à tous les points. Et du coup c'est allé assez vite au final en 8. En 8. C'est allé plus vite que la dernière fois. On a été meilleur. Ah voilà, nous sommes bien. Nous voilà ici. Parfait. Bisous. Merci beaucoup Héloïse, merci pour le 1€, merci beaucoup Chiche, merci pour les 20€, merci beaucoup Yvomic, vive le sport et la Castagne, c'est encore mieux vu que c'est Ponce qui va prendre. Merci beaucoup la Bretagne, ça vous gagne, merci pour les 5€. Merci à vous pour vos donations, merci énormément, vous régalez. Et donc le Palais Breton qui a été remporté évidemment par Rivenzwai. C'est vrai que... Merci, merci. Je me rappelle, il était bon, il était meilleur en vrai, sans verbe mauvaise langue, il était meilleur que l'autre, que l'autre, que Berlu, que l'autre fois, que Berlu, je voulais dire surtout. Relatissime. Let's go, Riff, tu m'as pas déçu. Ah, de rien, t'es mis, de rien. De rien. Bon, bah, c'est bien, on a été bon. Merci beaucoup, Isaac, merci pour les 20€. Merci beaucoup. Hop là, je remets le chat ici. Let's go, Riff, tu dis, j'ai tout donné. Merci beaucoup, Maxime, merci pour les 25€ pour le catch avec Ponce. On n'hésite pas, on donne, messieurs, dames. C'est le moment de se faire un petit rush, là. Un bon rush, même, je dirais, pour aller chercher la moula, pour aller chercher les 20...
5000 euros, 25000 euros. Alors déjà les 20000 euros parce qu'il y a le donation goal avec notre cher Charles Villa. Et ensuite les, sinon c'est, et sinon bah les 25000 balles juste derrière, puisque vous savez il y a le donation goal avec Ponce. Quatrième badge pour The Event Place Pokémon. Il va falloir que je fasse du coup les, parce que j'ai fait trois dons, du... enfin, j'ai fait qu'un don pour l'instant. Il faudrait que j'aille faire un don du coup de 30 euros. Attendez, je vais faire sur The Event Place Pokémon. Attendez, hop, tac. On va aller faire ça maintenant, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Donc n'hésitez pas messieurs dames, continuez à faire des dons, on s'arrête pas, c'est important. Merci beaucoup à Maxime, donc tout à l'heure qui a fait le don de 25 balles, on est quasiment aux 18000 euros. On y va messieurs dames, on y va, on y va, on y va. On ne lâche pas bien sûr, c'est énorme. Je le rappelle qu'on a tout à l'heure à 18h, le fameux, on a évidemment à 18h le fameux, les fameux 18h30 d'ailleurs, pardon, les Olympiades, bien sûr, le visuel exceptionnel qui se trouve sur, qui se trouve sur le Twitter, évidemment, qui est merveilleux, il est exceptionnel. Hop les, hop, on est là. Merci beaucoup Gérald de Rip City, merci pour les 5 euros, merci beaucoup, merci Géry pour le mont quoi, je te donnais. Le mot quoi. C'est quoi les Olympiades? Je vais vous dire ça, je vais vous dire ça. Je vais faire un don du coup pour les pour Satak. Pour faire un don à The Event Place. J'arrive tout de suite. Hop, hop, je fais le petit don. Je fais le petit don comme ça, c'est fait. Hop. Ça ira plus vite comme ça. Ok, don est en train d'être effectué. Et normalement, ce sera good. Parfait, la donation a été faite. Merveilleux. Donc le quatrième badge du coup du Twitch qui a été fait, donc c'est parfait. Alors les Olympiades, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, c'est une, on a organisé une série mini-jeux avec du coup 4 duos de streamers, Xari et Jiraya, on a Xari l'animateur télé bien sûr, Xari et Jiraya, Ponce et Ultia, Bagheera Jones Horty, et donc Tonton et Jill. Et donc on a préparé une petite dizaine de mini-jeux pendant une heure et quart où ils vont devoir s'affronter pour eh bien, savoir qui est le meilleur tout simplement. Donc let's go. Oh merde, j'ai oublié le café de Jean Massier. Oh non, désolé, j'avais d'autres trucs à penser. I'm sorry. Jean réclame son café. Oh non, il faut que j'aille chercher le café de Jean. Terrible. Je reviens, je vais chercher le café de Jean Massier.
Désolé, j'ai flopé sur le café. Excusez-moi, j'avais oublié le café. Je suis navré. J'avais oublié le café. C'est ma faute. J'avais oublié le café de Jean Massier. Oh là là, je suis navré. Je pourrais bien vouloir m'excuser. La Bretagne, oui, de la part de Jean, c'est vrai. Merci beaucoup Arga, merci beaucoup pour les 50 balles qui ont été offertes. Merci beaucoup Docable aussi pour les 20 euros. Merci beaucoup Morgane pour les 5 euros. Merci beaucoup Mathilde pour les 10 euros, Justin pour les 1 euro. Merci beaucoup Aldira aussi pour les 20 euros. Merci beaucoup à vous, merci pour le soutien. On lâche pas, je le rappelle, objectif 25 000 d'ici ce soir. On ne lâche pas, messieurs, dames. Vous pouvez continuer, ne lâchez absolument rien. On se bat, on y va, on met des petites émotes planètes. Allez, Revenge is the Event 2022. On ne lâche rien, messieurs, dames. Allez, on ne lâche rien, bien sûr. Go. Et on va continuer à faire des dons, bien sûr. C'est important puisque il y a peut-être une petite annonce ce soir. Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Je sais pas si on peut annoncer des trucs ou pas. J'en sais rien. Objectif 25 000, ouais, mais peut-être, mais je sais pas. Oh là là, la gourde, on pourra jamais la voir en tant que random. Bah, je sais pas. Je pense pas qu'elle soit avant de la gourde du The Event. Il me semble pas. En tant que random. Le mot est si dur. Alors, les randoms. Alors, ça fait quoi être un random? L'angoisse. L'angoisse la plus totale. Donc non, ne vous abonnez pas, aujourd'hui il faut donner, messieurs dames, il faut donner, bien sûr, il faut donner. Allez-y. On y va, bien sûr, je compte sur vous. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous restait à faire au final sur les donation goals? Je crois qu'on était pas mal, on avait fait, il nous restait une game de Palais Breton à faire avec quelqu'un. Donc on va voir comment est-ce qu'on va organiser ce truc. Et puis je sais qu'il y a le maître des fleurs ensuite qui arrive plus tard dans l'après-midi. Et puis voilà, merci beaucoup Sotios, merci pour les 2 euros bien sûr. Merci énormément, évidemment. Ne vous abonnez pas, dernière fois que vous entendez Riff dire ça, exactement. Non, il y a les dons, c'est le plus important ce week-end. On parlera des primes dès lundi, ne vous en faites pas, ou même dès mardi plutôt. Mais oui, là, c'est le don, c'est les plus importants. Faudrait une revanche palais vs pétanque avec pompon. Ça, c'est vrai que ça semble assez obligatoire. Je suis assez d'accord avec vous. Merci beaucoup, Irines. Merci pour les 5 euros. Merci beaucoup. Allez, les petites sommes, bien sûr. Je rappelle, hein, 20 000 euros. N'ayez pas peur des petits dons. 20 000 euros suffisent largement. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas complexés par le fait. Ne soyez pas complexés par ça. Un petit don de 20 000 balles, c'est largement suffisant, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup à Bletra, merci pour les 10 euros. Merci beaucoup Luckyman aussi pour les 10 euros. Merci beaucoup. Romanop, comment ça va? Je me rends compte que Revendy, ça fait un an que je regarde en stream, comme je t'ai follow le soir où tu jouais à AOE l'année dernière. Waouh, un an de follow. Alors qu'en vrai, j'étais nul, j'étais à chier. Merci beaucoup Carla, merci pour ce week-end. Petite question envisageable d'avoir une apparition d'Antoine Brizard un jour sur ta chaîne. Avec plaisir pour Antoine Brizard, il était déjà venu sur ma chaîne une fois, Antoine. Il était déjà venu sur la chaîne une fois et avec grand plaisir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très gentil, donc c'est le boss. Mais oui, Antoine Brizard, donc joueur de l'équipe de France de volley. Merci beaucoup Gwen, merci pour les 20 euros pour le catch, bien sûr pour le catch, évidemment, pour exploser Pompon. Merci beaucoup Carla, merci pour vous. Petite question, ah oui, donc ça c'était bon Carla, merci beaucoup Quimper aussi pour les 50 balles qui ont été offertes, incroyable. 50 euros, messieurs, dames, 50 euros, 50 E. Énorme, merci beaucoup. Le calendrier du stream sortira quand? J'en ai aucune idée pour le coup, c'est pas mon projet, c'est celui de PA, donc c'est lui qui gère ça, c'est lui qui choisit la temporalité du projet, et pour le coup, je peux pas te répondre. Merci beaucoup Coco, merci pour les 5 euros, merci beaucoup de Go Démolir Ponce au Catch, let's go. Merci beaucoup ZoroRowan, merci pour les 10 euros aussi, merci énormément. Merci énormément. Merci à vous, merci pour les dons. On continue, on s'accroche. On ne lâche rien, messieurs, dames. On ne lâche rien. Je trouve pas assez grand le drapeau breton, si elle paye, c'est le meilleur de tous, bien sûr. C'est même pas moi qui l'ai fait, le drapeau breton. C'est pas moi, c'est des gens. C'est des gens qui sont des terres. Ce n'est pas de mon ressort cette fois. Bourrez les dons, on continue.
On ne lâche pas. On continue à se la donner. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ça va le faire. Ça va le faire. Qu'est-ce que j'allais faire d'autre ? En vrai, on est pas mal. Hein. Je suis content parce qu'on n'est pas à la bourse et Donation Goal. Ça, c'est cool. L'année dernière, on était en mode, on était un peu débordé, on savait pas trop quel Donation Goal faire. On était en mode, attends, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant et tout. Au final, là, on est plutôt dans les temps. Donc c'est cool. On a fait dès qu'on pouvait nos Donation Goal, donc c'est parfait. Il y aura Michel Beaujolais à Montpellier. Alors là, pour le coup, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Parce que c'est le personnage de Sturi, c'est ça ? Qui en gros est un, effectivement son gimmick. Bah, il faudrait que Sturi vienne déjà de base, donc bon. Sachant qu'il est à Lille. Est-ce que t'as 4 sons pour changer ? Bah, c'est une Go XLR. Bernard Lassalle. Bien sûr. Vous avez choisi vos gimmicks de catcher. Bah, moi je pense que je ferais un gimmick de catcher. Pense, il pourrait faire quoi ? Un Provençal un peu vénère, tu vois. Il s'appellerait le monstre. On appellerait pas le colosse d'Avignon, quoi, tu vois. Le colosse d'Avignon. Merci beaucoup, Ricard Tournevis. Merci pour les 5 euros. Merci beaucoup. Pas dans la rivière que dans les temps. Oui, attendez. Est-ce qu'on se regarderait ? Il n'y avait pas des petits trucs de... Est-ce que là, ça va être à 17h30, du coup, le truc de pompon ? Ah, il y a Popcorn qui a sorti une capsule déjà pour pop-up pour le concert du The Event. Pop-up vous emmène aujourd'hui au Zénith de Montpellier. Je vous ai quitté sur le Popcorn Festival à Montcuq. Là, nous sommes à Montpellier. Un jour avant le Z-Event, tout le week-end, évidemment, pensez à faire des dons. C'est pour la bonne cause, vous le savez. Récupérer des beaux t-shirts, des plaques, ça, je vous fais confiance. Et là, on va aller voir les gens qui sont extrêmement chauds. Les t-shirts, on n'oublie pas. Hein. Très tôt ce matin. Et également, les artistes. Merci beaucoup, le drapeau breton. Merci pour le 1€. Du coup, très heureux de faire une bonne action ce soir avec du coup le don déjà compris dans la place et se faire plaisir avec le concert. Bah, vraiment, écologie important, très important. Ah, bah, de ouf, mais il y a des super artistes. Et Bob Fleur, let's go. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est le seul truc vert que t'as trouvé dans ta garde-robe pour le Z-Event ? Alors, le Z-Event était sale, du coup, j'ai dit bah, celui-là. C'est chaud, hein ? On arrive à 6h du matin, on a bien un peu le droit de se la péter. Je vais pas arriver là à 6h. Et bah, ils sont là, nos gagnants ! Ouais, ils sont là depuis 6h du mat. Oh la dinguerie, oh la vache. Depuis 6h du matin. Ah. Ouais, les gens ça depuis 6h, wow, la folie. Vous êtes motivé pour ce soir ? Ouais, bien sûr. Vous voulez voir qui en particulier ? Attends. Je suis obligé. Mais Big Oli. Non, franchement, ouais, leur nouvel album, j'ai bien kiffé Big Oli. Et du coup, j'ai hâte de voir. Il était pas mal. Merci beaucoup, Molly. Merci pour le 1€. Merci beaucoup, Bernard Lassalle. Merci beaucoup. Vive le sud, Domino. Ouais, depuis 6h du matin, la dinguerie. Les gens commencent à rentrer dans la salle, on va aller voir un peu ce qui se passe. Monsieur, bonjour. Encore toi. Bon, il faut savoir qu'on est allé voir les gens un peu dehors, donc certains sont arrivés à 6h du mat, vraiment ils aiment camper. Hein, ouais, on les a vus, c'est un truc de fou. Toujours la même chose. Et ils attendent, est-ce que tu chantes ? On est d'accord que non, pas aujourd'hui ? Ça ne va pas arriver, non. J'ai même hardcore pur de les ouf. Artistes pour leur dire ne m'appelez pas sur scène. Parce que PV Nova, je le connais, hein. Donc je lui ai dit non, ne m'appelle pas sur scène. On ne se programme pas à son propre événement. The Event prend des proportions absolument dingues. On était dans mon salon il y a quelques années. On était 15 là, en ayant acheté des tables et des scotchs nous-mêmes avec Dash la veille. Et là, un Zénith sur place plus retransmis. Et le lendemain, marathon de 3 jours de streaming. Enfin, c'est un truc de fou. Vraiment, l'ampleur que ça prend, c'est dingue. C'est le plus gros The Event qu'on la dingue. Alors, c'est TheEvent.fr. Il faut évidemment bourrer les dons. Ça va être. Bien sûr, bourrer les dons, n'oublie pas. Hein. Je vous vois. Merci, merci bon beaucoup. Concert. Ah, ouais, quand on est arrivé, c'est vrai, les gens se sont retournés et commençaient à nous applaudir et tout ça. C'était assez ouf. Quand on est arrivé dans la salle, tous les gens nous applaudissent, c'est un truc de fou. Bonsoir à toutes et à tous ! Comment ça va ? Oh, le flop ! Marianne, troisième concert, ça y est, de plus en plus à l'aise, c'est facile maintenant ! Mais pas du tout ! On pourrait croire, mais je pense vraiment le concert où j'étais le plus stressée. J'étais tétanisée, mais je suis ravie, vraiment, je suis ravie. Moi, je suis là, je joue à PUBG dans ma chambre, on me dit « Tu veux venir faire un concert aux Zénith ?» Je suis en mode « Ok !» Sauf que je dis « Ok », mais je réalise pas, en fait. Je me dis « De toute façon, c'est la moi du futur dans 7 mois qui aura géré ça, tu vois. » Vraiment, je suis trop chanceuse. Vraiment, je suis tellement heureuse. Quel boss. Du coup, à te revoir pour ton quatrième concert devant 20 000 personnes. Vraiment la meilleure. Allez.
Allez, au revoir. Merci Popcorn, c'était cool. A plus. Bon, Berry One, mais c'est trop chaud. Trop bien, Berry One. C'est les boss. Franchement, c'était encore la folie. Hein. La communauté Twitch, elle est incroyable et on a encore pris un max de plaisir ce soir. L'accueil était fou. On ne s'attendait pas encore à avoir une ambiance comme ça. Et merci, merci au public, merci à tous. Est-ce que vous avez déjà fait un concert devant 120 000 personnes, les gars? Ben non, jamais, jamais, jamais. Première de loin même. Ah oui, bien sûr. C'était un kiff. Et en plus, c'est pour la bonne cause. Nous, on fait du beatbox, on fait notre passion et ça permet de... J'avoue que eux, ils sont en régal total, quoi. Alors qu'on a payé la goutte d'eau de ponce, ça me rend un peu triste, j'avoue. Là, ça commence maintenant. Ça m'attriste un peu. Bien sûr. Bon, voilà, à mon petit niveau, si on peut aider, ne serait-ce que même 50 centimes un euro, c'est déjà ça et ça aide beaucoup de gens. Donc voilà. Il a dit. Et encore bravo. Il l'a dit. McDo, t'as un sac Louis Vuitton. Tu crois qu'en fait t'es qu'un mouton. Tu fais la star, genre Los Angeles. Mais t'habites à Argelès. Comme Booba. À vous tout seul. Comme Booba. Ah, imagine quelqu'un. Trop chiant les gars qui. Ah, ça. Bonsoir. C'est sur NVOD. Bonsoir, bonsoir ouais. À tous. Je suis trop content. Je trouve que c'est un super projet, évidemment. Et... On est trop fiers de pouvoir donner cette lumière à notre échelle, même s'il n'y a plus besoin en vrai. Il y a le président, on parle, frère. Les gars, c'est devenu trop gros, Z-Event. Non, les gars, en plus, franchement, je vous le dis, moi, j'ai fait énormément de festivals, j'ai fait les plus grands festivals de ce pays. Et je peux vous dire, vraiment, en termes d'orga, c'est nickel, quoi. Je suis pas sûr que t'aies le temps, toi, de te faire ton rat de star ce soir, parce que c'est que des copains, au final. Si, il y a de la rat. J'ai quoi à me mettre sous la dent Le rat de star, Oli, me régale. Très bien. Mais t'es toujours content de voir un petit Sopra. Ouais, mais là, maintenant, je le connais très, très bien, quand même. Toujours heureux, mais, un mais, fond je, de rat. Mais c'est plus un. Je suis plus heureux en tant qu'ami qu'en tant que rat. Non, ça sera plus moi qui fais de la rat. Le rat star de Oli, en fait, Oli, il adore prendre des photos avec des stars. Demain, je vais être un méga rat. Même Domi, c'est de la rat, pour moi. Domi, t'es une radze à mes yeux. Ouais, toi, Oli, ouais. Moi, il me faut du rappeur, du footeux. Il me faut de l'acteur. Là, j'ai pas grand chose à me mettre sur le dent. Mais peut-être une radze de quelqu'un. Il est insupportable. Merci beaucoup, Dad Vivian. Je contribue au flop de cet event insane. Merci beaucoup pour les 50 euros. Merci énormément. Merci beaucoup, Dad Vivian. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh non, j'avais oublié le coccinelle, où c'est es-tu? C'est ainsi que se termine le concert avant le Z-Event. Ça s'est extrêmement bien passé, les artistes étaient bouillants, le public aussi. Je pense que à la maison c'était la même chose. Du coup, le Z-Event c'est officiel, cool, hein, commence maintenant. On compte sur vous ce week-end, faites des dons. Où es-tu? Trop stylé. French Q, c'était cool aussi. C'est pas ce qui a fait le plus bouger les gens, mais ça mettait une bonne ambiance un peu chill et tout, parce que ça, sinon t'aurais bougé la tête tout du long. Donc voilà, faites des dons bien sûr. N'oublie pas, merci beaucoup Zadivian pour les 50 euros encore. Merci beaucoup. Enfin, c'est vrai qu'il y a le truc de force aussi de PA aussi qu'il faudra aller faire dans le week-end. À mon avis. Il y aura ça à faire aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on va s'orga là? Qu'est-ce qu'on va s'orga tranquillement là? Insane. Je viens de voir les. Parce que hier, du coup, il y avait l'Eurobasket. La France à l'Eurobasket a gagné d'un point hier. Attends, on va regarder un petit peu ça. On va regarder un peu de sport vite fait. L'Eurobasket. France-Turquie. Cette fois, le faux pas était interdit. Après une phase de poule en dents de scie, les Bleus abordaient enfin les choses sérieuses à l'Eurobasket. Ah oui. Avec un huitième de finale piégeux. Oui. Qu'est-ce que de quoi? Tous les deux là. Oui, on range, pardon. Pardon. Oui, bah on anime, on y a des choses. On est au travail, monsieur, en fait. Donc excusez-nous, mais on bosse. On travaille dur, monsieur, on n'a pas le temps de tout faire. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Tout est rangé. Ça va bien se passer. Ça va? Ouais, nickel, et toi? J'ai vu que t'avais tapé sur la machine de force de... Bah, j'étais au podium, mais j'y suis plus. Je me suis fait dépasser. Aïe. J'ai reprendre mon titre. Non, toi qui fais tellement de sport, enfin toi qui... Arrête, connard.
C'est le running gag de dire que Xera il fait du sport tout le temps. Incroyable. T'es pas où les Français étaient plutôt chanceux. Face à la Turquie, privé néanmoins de son meneur star, Sean Larkin. L'entame de match est idéale pour la France qui signe un 7-0 d'entrée. La paire Gobert-Yabouzé les domine à l'intérieur et la défense est également au rendez-vous. La pression sur Osman. Et voilà, avec Thomas Hurtel qui va se... Ah Thomas, bien sûr Thomas Hurtel. L'écart se stabilise alors autour des 10 points dans le deuxième quart-temps. L'adresse extérieure fait énormément de bien au bleu. Pendant qu'en face, la Turquie, elle, ne rentre pas un tir jusqu'ici. Ça déroule donc côté français. Oh, le contre. L'équipe de France, comme dans un rêve, là, sur cette première mi-temps, Vincent Poirier. Mais juste avant la pause, la France connaît un petit passage à vide. Les Turcs en profitent pour recoller. Sedi Osman se réveille à 3 points. 43-35. Aïe, le 3 points. Et les Bleus ressortent très bien du vestiaire avec, pour démarrer, ce coup d'éclat signé Tarpon. Mais derrière, les débats s'équilibrent dangereusement. La France ne marque que 6 petits points dans le troisième quart et la Turquie passe devant. 57-49, le match a basculé. Oh Boris ! Les Bleus s'accrochent, mais comme trop souvent, les balles perdues s'accumulent. En face, les Turcs ont retrouvé leur basket et affichent maintenant une adresse insolente. Malgré tout, la France est toujours dans le match. Dans les ultimes secondes, il suffit d'un panier pour forcer la prolongation. Flotteur, c'est court. 20 points, 17 rebonds pour Gobert, décisif. Comme Evan Fournier sur ce 3 points qui redonne l'avantage aux Bleus en prolongation. La Turquie ne reviendra plus au bout du suspense. La France arrache donc la victoire 87-86. Les vice-champions olympiques sont en quart de finale. Wow, on s'est fait peur, hein. On s'est fait peur de fou quoi. Putain, je vois des... Ça c'est les gars de First Team qui étaient au match. Gobert Siv, bien sûr. Petit résumé, il a coupé la fin de Zinzin. Bah, c'est dommage pour le coup. Mais j'avoue, pourquoi ils ont coupé la fin de Zinzin ? Ça me dégoûte. On s'est fait encore plus peur que ce que dit le résumé. Bah ouais, parce que pour le coup, je suis en mode. Bah, ils ok, non ? Putain, 77-77. Oh, c'est chaud. With a little teardrop. And again, Rudy Gobert, Rudy Gobert. Incroyable. Oh, le tir à 3 points. Aïe, 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 aïe. Korkmaz coming to life. Now Fournier's turn. He hits the 3. Putain, ça se balance des 3 points en extra time, quoi. Tu vas réagir comment t'es PSG Brest. C'est ce soir. It's gonna be Terry Carpe. He's going in for the dunk. Unbelievable scenes. France have escaped against Turkey. They don't even get off a shot at the end. You can't write a more disappointing finish to this FIBA Eurobasket for Turkey. Non, mais c'est Causeur. Non. Ça semble grave, Fabien Causeur. Non, c'est Tarpe. Comment il va Tarpe? Ah, c'est 17h, je sais, mais on a des... Ah, mais non, parce qu'il y a le maître des fleurs malheureusement à 17h. Oh là 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 là. D'ailleurs, on en est où là sur Geek Me More là? Est-ce qu'on a des matchs ou pas? Attendez, je regarde vite fait. Est-ce qu'on a eu des messages? On a eu un autre message ou pas? Putain, non, attends, il faut que je me reconnecte. Attendez, il faut que je me reconnecte. Geekaman doit se reconnecter. Je regarde si on a eu des messages ou pas. Est-ce qu'on a eu des messages? On a eu des messages, messieurs, dames. J'ai eu des messages. On a eu des réponses, messieurs, dames, sur Geek Me More. Bonjour, votre proposition pour l'offre d'emploi policier de ton cœur a été acceptée. Merci pour, merci pour l'adoption aussi, d'ailleurs. Bon courage pour le The Event. Oh, putain. Il y a Juliette 29. Insupportable. Il y a Juliette, avec un Y et une bigoudaine, qui a aussi envoyé un coucou. Coucou. Ah, Juliette. C'est Juliette. Et je peux répondre ou pas? Je peux pas répondre. Je peux pas répondre. Mais comment ça, je peux pas répondre? Putain, on peut pas. On est obligé de payer pour répondre? Mais non. Je peux pas répondre à mes messages sur Geek Me More. Non, mais non, c'est trop. C'est trop. Mais pourquoi on peut pas répondre? Je suis abattu. Il faut qu'on paye? Putain. Ils ont dit sur Twitter qu'ils allaient offrir un abo premium. Mais non. Bah, j'attends le DM, hein. J'attends le DM. Ils sont dans mes DM, Geek Me More, donc voilà. J'attends. Ou ils pourraient faire un don, hein. Aussi, hein.
sur la cagnotte, ils font un don de 3000 balles, on est ok, hein, comme ça on continue à faire grinder cette cagnotte qui est quasiment à 18 000 euros, messieurs, dames. Aïe, 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 on se rapproche. Faut que Zeraf file 10 balles là. Est-ce que Zera veut faire une partie de... Est-ce que Zera... Zera ! Je vais voir si tu veux faire une partie de Palais Breton. Tu veux faire une game de Palais Breton ? Pardon ? Tu veux faire une partie de Palais Breton ? Ouais. Là ? Fais ça là, là. Ouais. Parce que là, je te vois déambuler, donc c'est pour ça que je propose. Ouais, ouais. Avant que tu veuilles faire, finir de faire le tour et tu reviens après si tu veux. Là, tu le poses Al. Tu le poses Al, mec. Mais t'as, quoi ? T'as Bah moi j'ai oui le matos c'est là. Hop et après on passe micro main et puis on se le passe Ah mais mec t'es horrible. Pourtant j'accepte que les excellents joueurs mec. Ah ouais merde, t'es pas bon Zer. Ah dommage. En gros c'est très simple. 4 palets chacun. Le but c'est comme la pétanque, tu jettes sur la plaque ici et le but c'est qu'on est à 3-4 mètres et le but c'est d'être le plus proche possible du palais. C'est extrêmement simple mec. T'es sûr ? Ouais, vas-y. Ok. Tu fais ta petite pauvre. Alors attendez, je vais juste changer le micro ici pour qu'on puisse avoir le micro main. Ouais, voilà. J'ai fait stream top 2 à la pétanque récemment. Let's go. J'ai Fanny Ponce 14-0 à la pétanque. Clou de clim en Provence. La France avait peur à ce moment-là. Re la team. La Bretagne se fait attaquer. Le drapeau breton, elle attaque le drapeau breton. Enfin, se défend le drapeau breton, pardon. Merci beaucoup Yvrex. Un petit effort s'il vous plaît. Merci beaucoup Yvrex, merci pour les 100 balles. Merci beaucoup. On a un petit objectif de... J'arrive. Je massacre Rivendi à son jeu là. Et j'arrive. Il y a une sorte d'animosité entre moi et Flo. Il y a une animosité indirecte. Ok. Il me regarde, il est un peu menaçant et tout. Okay, okay. Alors, attendez, je pose ça. Oh putain, mais il y avait de l'eau. J'ai plus ça. Oh, en plus, c'est hyper court. Ouais. Hop, ok, vas-y, on se rejoint. C'est 5 mètres. Non, oh, là, on a. Et oh, c'est la grosse merde. En fait, c'est très simple. Donc, on a un petit. Il faut déjà réussir à le poser sur la plaque. Et oui, c'est ça le plus premier défi. C'est ça, exactement. Donc, on est parti. Donc, on est à peu près, on est là, on est bien. Il est posé. Dans un coin, on a eu un peu de la chance. Non, ça ne l'est pas. En fait, c'est la technique, tu vas voir, qui est très importante. Tes palais, peut-être, sont aimantés. Alors, peut-être. Il a déjà la technique. Non, je n'ai pas aimanté mes palais, Zera. Il faut les faire rebondir de ce côté ou de l'autre. Alors, l'idée, c'est qu'il y a une technique. C'est ce côté-là. C'est ça, exactement, qui doit atterrir. Tu as une technique qui est de venir pincer le palais comme ça. Attends, on va se mettre là. C'est de venir pincer le palais comme ça, en mettant le doigt en dessous. Et en fait, le but, c'est que tu vas venir faire un quart de tour pour lui donner, pour le faire pivoter un peu. Mais une petite cloche pour qu'il maintienne. Et une petite cloche parce qu'en fait, exactement. Et surtout pour qu'il puisse atterrir. Parce qu'en fait, si tu le lances comme ça, en fait, il va rouler, etc. Mais non, c'est possible. C'est possible, mec. Ouais, ouais, il y a à peu près 5 mètres. C'est ça, c'est comme un cochonnet à la pétanque, si tu veux. Ça, c'est un cochonnet. Donc en gros, le but c'est que tu veux que je fasse un palais d'abord, que je te remontre. Essaye. Allez, let's go, essaye. C'est du. C'est du jamais vu. C'est à moi. C'est du jamais vu. Non, c'est pas ça. Si, non, mec, c'est exceptionnel. Non, attends, je recommence. Alors, on va se rapprocher un peu, mec. Attends, on est en vrai, no fake, on est un peu loin. C'était mon coup d'essai. C'était le coup d'essai. Ah, le flop. Oh, le flop. Ok, c'est à toi. Pas mal. Pas mal, mec. Beaucoup d'essais. Mais c'est un beau coup d'essai. C'est à moi, du coup, maintenant. Vas-y, à toi. La
pareil, le plus éloigné joue. Exactement, c'est tout à fait pareil. Si j'ai... D'ailleurs, petite précision, si le palais venait à rebondir à l'extérieur puis aller sur la plaque, c'est... ça compte pas. Il faut que tu sois direct sur la plaque. C'est à moi du coup. C'est encore à moi. Il y a des caméras, monsieur, s'il vous plaît. C'est fou. Oh, putain, ça dégoûte. Ah, je suis loin encore. Yes. Oh là là, sur le dernier palais, sur le dernier palais. C'est un matin. Et des fois, on a fait ça tout à l'heure avec Shisheyu. Shisheyu, il a réussi à poser son palais sur le palais, sur le petit. On est en mode, bon bah, il faut réussir à dégager, c'est super chaud. Allez, Zeratores. Directement très agressif. Calme-toi. C'est super violent. C'est super violent. Ça ne révèle rien, Adrien. Vraiment, je pense pas qu'on ait besoin d'en arriver aux mains. Oh, je l'ai kick out. Fin du point, on revient. Du coup, tu m'as empêché. Il a kick out. Bah, c'est la fin du jeu. On ne jouera plus jamais au Palais Breton. C'est la fin. On annule le jeu. C'est terminé. Tout à fait ça. C'est, on revient, on doit retirer le petit. Allez, let's go. La plaque date d'hier. Hein. Je lance le petit. Let's go, il est planté. On a bien progressé par rapport à hier parce qu'il y avait vraiment des moments avec Berlu. On touchait pas la plaque. On est en mode bon. Pas touché à la plaque du point, insupportable. J'ai bien plaqué. Merde. Merde. Ah, t'es pas malin. Oh, c'est un pass du Palais Breton. Tu veux tester, mec? En fait, faut que tu jettes un tout petit peu plus fort et plus en cloche, je pense. Pour que ça plaque bien. Non. Un peu plus fort. Merde. Tu veux tester, Flo? Je vais lui tester et après on y va. Parce qu'il faut qu'on y aille, nous. Ça marche. Je suis très nul à tous ces jeux. Alors, seul lancé, c'est son. Ah ouais. Pétanque et tout, c'est. Très très nul. Hop, tu tiens comme ça. Tu mets ton petit doigt, ton doigt, ton majeur en dessous et hop. En cloche. En cloche, c'est mieux pour que ça plaque. La cloche. Oh, la légende. Oh là. Elle reste dans là. Incroyable. Non, jette plus jamais un. C'est fini, mec, c'est fini. Il a fini le Palais Breton. Non, jette plus jamais un. C'est l'élu, la cloche qui passe. Incroyable, bien joué, mec, trop fort. Trop fort. Bon bah voilà, ils ont fini, on a fini le jeu. Bah ça dégoûte, je suis un peu abattu quoi. Merci beaucoup Donatanonim qui a donné 20€, merci beaucoup Fleur pour les 5€, merci beaucoup Moonfaida, merci pour les. Il y a eu une vague de dons là, incroyable. Merci beaucoup aussi Moonfaida pour les 10€, merci beaucoup Warzouille le Breton pour 1€ et merci beaucoup Iverix pour les 100 balles. Merci beaucoup. Ça te fera quelques bières en moins, mais c'est la bonne cause. Merci, ça fera quelques bières en moins, c'est la bonne cause. Merci beaucoup. Merci beaucoup les anciens Kerbeuf, merci, anciens rois de Bretagne, sont fiers, merci beaucoup. Merci pour les 3€. Merci beaucoup l'arrondi pour les 20€. Merci pour les 300 balles de Orange, je les ai pas vus. Incroyable. Il y a eu un don de 300 balles. What the fuck. Incroyable. Maximum de, bien sûr, de Revenge is the Event, s'il vous plaît, dans le chat. Incre. Incre, incre, incre. Qu'est-ce qui se passe avec le drapeau breton sur cette place? Qu'est-ce qui passe avec le drapeau breton? On a une attaque? Oh, le drapeau breton. Oh, le drapeau breton est attaqué. Oh, la dingues. Posez des carrés, défendez. Ah, il faut défendre. On est attaqué par qui? Qui nous attaque? Défendez. Mettez des carrés. Dessiné pour 16, mais ça coûte si cher. Oh, je les ai bloqués avec le petit buisson. Pompon s'attaque. Quoi? Pompon. Pourquoi t'attaques le drapeau breton, mec? J'attaque le drapeau breton parce que en gros c'est un bon moyen d'attaquer le drapeau breton et de le donner pour la même chose pendant 5 moments. C'est ce qu'on va se passer ici. Ici on a deux teams. Mais défends avec une équipe. Mais c'est même pas mon équipe à la base, le drapeau breton, moi. C'est pas moi. Non mais les bretons ils nous cassent les couilles, hein, ils sont tous. Mais non, mais c'est pas ça, mais. Mais je suis ok, mec. Traître. La Bretagne donne? Bah, n'hésitez pas à venir sur le stream. Hein. Okay.
Alors qu'il n'hésite pas aussi à donner que je puisse me. Alors qu'il n'hésite pas à donner pour que je puisse me venir me manger au catch aussi. On est à 17 000. Et ce serait bien qu'on arrive à te poncer pour ce soir, mec. Hein. 25 000 balles. Fais très attention à toi, mec. Fais très attention à toi. Peut-être. Oui. Ah ouais, on se fait attaquer comme ça. Ça me rend très triste, je vous le dis. C'est un choqué, quoi. Choqué. Merci beaucoup MTech, merci pour les 10 euros, merci beaucoup Animus, merci beaucoup MTech pour les 10 euros. Après Animus, c'était déjà tout à l'heure. Hop, on va ramasser les trucs du Palais Breton. Putain, il faut tout ranger. Putain, je défendrai pas autant si Rivenzi nous assure que Nantes est la capitale de la Bretagne. C'est la capitale historique, bien sûr. Oh là là. Oui ? Dis-moi, Panta. C'est du Palais Breton, Panta. C'est du Palais Breton, mec. En gros, ça joue comment ? Ça joue que t'as un... C'est un peu comme la pétanque, mais sur une planche en bois. En gros, t'as un palais, donc qui est le petit, on va l'appeler, que tu poses ici. Et chaque équipe ou joueur a 4 palais. D'accord. Et le but, c'est d'aller se mettre à 4-5 mètres, tu vois, et de mettre le palais sur la plaque. En gros, tu le jettes. Pas comme ça, mais le but du coup ça va être d'arriver et d'être le plus proche possible. Exactement, il faut le poser et celui qui est le plus proche gagne le point, tu vois. Et si c'est toi qui as par exemple les deux palais les plus proches, bah tu gagnes 2 points. C'est un peu comme la pétanque, tu vois. C'est une pétanque, pas tout à fait. Alors oui, mais on le dit pas, d'accord. On ne le dit pas. Exactement, donc c'est ça. Et donc ça joue soit en équipe, soit tu peux jouer en 1 contre 1, et puis voilà quoi, ça régale. Palais Breton, très bon jeu de plage, bien sûr. Exactement. Merci. De rien. Et gars, elle est vraiment pétée. Oh là là. Merci beaucoup les donateurs anonymes pour les 10 euros aussi. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas que pour moi t'es un bro, mais c'est plus un bro. C'est plus un bro. Bon, la petite partie a été faite avec Zera. Bon, ça c'est pas mal. C'est bien, on a eu le temps de faire la petite game de Palais Brut. Ça régale. Ma chaise est évidemment partie de l'autre côté. Oh, saisis-toi. Attendez, deux secondes. Allez. Allez, on va commencer à donner là, s'il vous plaît, on va commencer à se mobiliser un petit peu. Défendez. Allez, il faut défendre ce drapeau breton là, je vous en conjure, on va essayer de le faire. Ah oui, c'est des fleurs, mais machin et tout. Donc défendez, allez poser des... Attendez, il est où le drapeau? Est-ce qu'il y a un pattern? Il n'y a pas de truc breton, je crois. Du coup, c'est... Voilà, il faut défendre. Donc allez acheter, allez mettez des dons pour récupérer des... mettez des dons pour récupérer. Le but, c'est de dessiner. Pourquoi? Ah ok, attends. Allez, dessinez. Le drapeau. Dessinez sur le drapeau. Battez-vous. Faites des dons. Merci beaucoup Armand. Merci pour les 1 euro. Ceci n'est pas un exercice. Il faut défendre le drapeau. D'ailleurs, c'est même pas du noir, c'est du gris qu'ils mettent. Il faut défendre. Défendez. Tenez la ligne. Là, je suis en train de mettre du blanc. Non, il faudrait plutôt que je mette du noir, du gris ici. Je fais n'importe quoi. Allez, mettez du gris. Mettez du gris, reprenez les lignes. Putain. Merci beaucoup, Navet Brest. Merci pour les 1 euro. Merci beaucoup. Vite. Effacez cette fleur. Allez, dessinez, il faut qu'il existe ce drapeau, dessinez. Oh, on peut pas se battre sur tous les fronts, mais on essaye. Merci beaucoup Brooke, merci pour les 5 euros. Merci le Palais Vendéen pour les 1 euro, merci beaucoup. Allez, continuez.
Bientôt les 19 000 euros sur la canette perso. Et bientôt, et on a passé les 1 700 000 euros sur la canette globale. Bravo à toutes et tous. Bravo, bravo, bravo. Allez, 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 allez. On est en train de faire une belle ligne marron là. Oh là là, ils sont en train de donner de la thune à côté. Je les entends, je les entends. Allez, go, 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 go. Allez, 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 allez. Oh, c'est dur là. Mais défendez ! Battez-vous ! Essayez de mettre plutôt sur les contours du drapeau. Essayez de contenir les. Essayez de vous mettre, si vous voulez le faire. Essayez de vous mettre sur les contours des drapeaux. Vérifiez un petit peu. Essayez de dessiner les contours des drapeaux pour marquer bien la zone. C'est pas une mauvaise idée les contours. Que ce soit en haut, en bas. Mettez sur les contours, bourrez les contours. Oh là 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 là, mais quel enfer ! Mais quel enfer ! Putain, ça coûte des crédits tout ça, ça coûte des crédits. Hein. Oh mais ça coûte 8 ! C'est à deux streamers. Faut trouver des alliés, ouais, mais c'est dur là. Putain, comment est-ce qu'on va faire ? Parce que là, bon, ils sont trop nombreux là, c'est insupportable, on se fait décimer. Putain. Merci beaucoup Moss, merci pour les 20 euros, merci beaucoup pour la Bretagne. Je me retrouve porte-drapeau de la Bretagne. Merci beaucoup Moussaillon, merci. Merci beaucoup. Oh là 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 là, il faut revenir là, il faut revenir. Dessiner pour 42. Mais je peux plus dessiner d'ailleurs. C'est bugué. C'est pas, c'est cassé. Le jeu est. Oh là là. Oh le bordel. Oh là 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 là. Oh le bordel. Merci beaucoup Thiago. Merci pour les 3 euros pour défendre le drapeau breton. Allez-y, allez-y, allez-y. Essayez de vous mettre sur le côté. Je peux plus dessiner. What the fuck? What the fuck? What the fuck en fait les petits amis? What the fuck les petits amis? Pourquoi est-ce qu'on peut plus dessiner? Bah super. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux plus dessiner. C'est niqué. La indio bug. Bah ouais mais c'est nul. La indio bug, c'est terrible. Ma ligne d'en dessous, alors la ligne d'en dessous. Reprenez la ligne du haut, reprenez la ligne du haut. La ligne du haut, reprenez. Enfin, pas du coup la ligne du haut exact, mais le. Au niveau des. Le pixel juste en dessous. Là où je suis en train de faire. Prolonger, prolonger, prolonger. On va. Il faut qu'on existe, il faut qu'on existe, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe là. Merci beaucoup, Wazizi, merci pour le 1 euro. C'est pas possible ce qui se passe. Je n'accepte pas, je n'accepte pas. Merci beaucoup, Ju, pour les 150 balles. Merci beaucoup. Incroyable, 150 euros. Merci beaucoup, Wazizi. Merci. Merci énormément. Merci, merci beaucoup. Mettez-vous sur la ligne. Repartez de cette ligne. Battez-vous. Battez-vous. Reprenez carré après carré. Maison après maison. Rivière après rivière. Battez-vous, faites des dons et prenez des pixels. Prenez les pixels. Oh là là, j'espère qu'en tout cas les Bretons aideront pour le cerveau derrière. Hein. Je vous le dis. Hein. Battez-vous pour la ligne du haut. Et ensuite ce sera la ligne du bas. Battez-vous. Battez-vous. Merci beaucoup Warzouille. Encore, 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 encore. Ne vous arrêtez pas. Putain, mais c'est pas possible. Ils sont combien? Allez, 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 allez. La ligne du haut, la ligne du haut, la ligne du haut. C'est la ligne du dessus bug. On peut pas dessiner dessus. C'est insupportable. Allez, on refait la ligne. C'est bon, on a quasiment la ligne du haut là. On reprend. Mais lâchez pas, ne lâchez pas votre ligne. Ne lâchez pas cette ligne. C'est celle qui nous tient en vie. C'est celle qui nous tient. Il y a un overlay. Je sais pas s'il y a un overlay pour le drapeau breton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérém, merci pour le 5 euros. Merci beaucoup Laziri. Merci Mabadou et Benigan. Merci pour les 50 balles qui ont été données. Merci beaucoup. Manou, je l'ai bien. Merci beaucoup pour les 3 euros.
Oh là là, là là, là là, ils sont insupportables, ils sont insupportables. Lâchez pas, lâchez pas. Mais ça commence à coûter cher en plus. Il renforce beaucoup de pixels là qui montent à 6-8 là. Insupportable, insupportable. Mais lâchez pas, on a repris la ligne du haut, on a repris la ligne du haut. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils s'essoufflent, ils s'essoufflent. Ils savent pas, ils savent pas, ils s'essoufflent à côté. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Allez, battez-vous. Allez, ils s'essoufflent, ils savent plus. Ils sont perdus, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus, ils sont perdus. Merci beaucoup, 44 Bézénage. Merci pour les 10 euros. Merci beaucoup d'en donner pour les 1 euro. Merci, merci beaucoup. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ah, mais là, on se bat, mais on se bat, mais c'est dur. Est-ce qu'il faudrait des alliés? Est-ce qu'il faudrait des. Vous savez quoi? Je vais essayer d'aller distraire Ponce. Je vais aller distraire Ponce. Je vais aller lui parler un peu, parler d'autres choses et tout. Et continuer à mettre des trucs comme ça. Il va plus haranguer les fleurs. Vous savez, les fleurs, du coup, ils sont. Ils vont dire, ah, il parle d'autres choses et tout, machin. Je vais essayer d'aller le. Prendre du temps pour lui. Allez, battez-vous! Merci beaucoup, Little Miz. Merci. Let's go le catch avec Pompon. Merci pour les 200 balles. Merci beaucoup, Pilou, pour les 10 euros. Merci beaucoup. Allez, battez-vous! C'est bien, on a repris la ligne en haut. Il y a une deuxième ligne qui se forme. Allez, c'est encore ça. Allez, 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 allez. On ne leur cède rien. C'est pas la bonne case du tout que j'ai mis la bonne couleur. Allez, go! Le blanc, 3 triomphés! À pas sortir son contexte, mais c'est vraiment une histoire de pixels hein, dans l'idée. Hein. Allez! Évidemment, on parle vraiment de pixels. Allez, on y va! On y va! On y va! Poussez! 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 Alors oui, peut-être que oui, peut-être que Ponce a une plus grosse communauté. Peut-être qu'on devra peut-être faire des alliances. Peut-être qu'on devra aller se travestir. Mais écoutez, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que oui, on est peut-être plus petit, mais on est plus fort.
Parce qu'on a du caractère. Parce qu'on est des cerveaux. Parce qu'on croit en ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas peur. Même quand les gens sont plus grands que nous. On n'a jamais peur. Merci beaucoup mon Saillon, merci pour les 10 euros. On est soudés. Nous on va pas... On a la valeur des choses. On se bat avec nos armes. Avec nos petites armes, certes, mais elles sont là. On n'a pas peur. On n'a peur de rien, de personne. Moi je suis avec vous. Est-ce que Ponce y pose des pixels comme ça? Je crois pas, non. Je pose tout ce que j'ai. Je pose tout ce que j'ai pour vous. Je pose tout ce que j'ai, je vous le dis. Je pose tout ce que j'ai. Faites des dons. Ne lâchez rien. Faites des dons et récupérez des putains de pixels. Et on va les poser ces pixels. Allez, posez-les. Posez ces pixels. I beg you. Put the pixel down. Reprenez ligne après ligne, pixel après pixel. Ah putain, il faut qu'on pose tout le maximum possible. Hein. Allez go. Allez go. Et là je reprends du gris. Et je pose. C'est bien, on prend le dessus, on prend le dessus. On reprend le dessus, on reprend le dessus. On reprend le dessus, on reprend le dessus. Ah je pose un maximum là, je pose un maximum de mon côté. Je fais ce que je peux hein les potes hein. Merci beaucoup Bertrand Duguay-Clin, merci pour le 1€. Merci beaucoup Jocelyn pour les 10€ pour l'environnement et la Bretagne. Merci beaucoup, merci en avant Guingamp pour le 1€. Merci beaucoup Todé pour les 5€. Merci beaucoup Patouche Apache pour les 10€. Merci beaucoup Moussaillon, c'était tout à l'heure ça. On est à 19 000€, les 19 000€ ont été passés sur la cagnotte bien sûr. Allez go, allez go, allez go, allez go, allez, 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 allez. Merci beaucoup le négro. Casse les couilles. Merci beaucoup pour ce très gros nez. Merci à toi. Merci à toi. Tellement relou. Merci à toi pour... merci pour ce travail. Enfer. F5. Pourquoi je peux pas poser? Oh, j'ai plus de crédit, l'enfer. On a plus de crédit. Moi j'en ai plus, mais vous reprenez du terrain. Vous reprenez du terrain. Vous reprenez du terrain, c'est parfait. Ça va pas être bien cas, messieurs dames. On est quasiment à 20 000€. Bon, le concours d'anecdotes, on peut se le faire ce soir comme ça. En vrai, 20 000, c'est quoi là? En vrai, 1 000€. On va se le chercher maintenant. Puis comme ça, on n'en parle plus. Et comme ça, on a en ligne de mire le combat de catch avec Pompon. En vrai, c'est maintenant que ça joue. Hein.
C'est maintenant. Hein. C'est un turbo boost. Hein. On peut demander un turbo boost. Hein. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez, continuez, continuez. Bon, ça, mais les fleurs ont décidé d'attaquer, quoi. Ils sont là-haut aussi. C'est bien, on est en bonne voie, on est en bonne voie, on est en bonne voie. Merci beaucoup Damsoft, merci pour le, merci pour les 10 euros. Merci Moussaillon pour les 10 euros encore. Let's go, let's go, let's go, let's go, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. Let's go, let's go, let's go, let's go. Attends, ça complote sur le live de Ponce apparemment. Je reviens. Oh là là, on est en train de booter la racaille, de booter la racaille. Attendez, alors là il faut que je repose. Ah, voilà, c'est bon. Plus de pixels sniff. Non mais vous inquiétez pas, reprenez des pixels, reprenez des pixels. Vous faites des dons et ça vous donne 1€, c'est 10 pixels. Donc là vous, vous avez le temps de vous remettre en place. Et par contre, les Bretons, eh vas-y, on vous a défendu. Maintenant vous défendez, vous remettez bien le cerveau derrière. Hein. Franchement, vous abusez pas. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Parce que nous, c'est pas, moi c'était pas mon initiative à la base de drapeau breton, je tiens à le dire. Donc je vais pas la voler, je vais pas dire que c'est la mienne. Mais en revanche par contre on a dit à la, toute la communauté. On a dit à toute la communauté que, qu'on défendait machin. Donc maintenant vous retournez et vous remettez du cerveau là-dedans, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et c'est pas de. Y a pas de machin, on t'aide vite fait et puis on se casse derrière. Hein. Merci beaucoup en tout cas Alcim pour être. Merci NT aussi pour les 10€. Merci la botane notre face pour les 5€. Merci beaucoup Gloops. Aussi. La botane est avec toi, il m'a dit j'espère. I hope so. En gros, on nous abandonne la Bretagne pour se concentrer sur la défense de Pachirisu. Ok, ok. C'est quoi ça, le cœur, là? C'est qui, ça? Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. On remet des carrés là-dedans, là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait, let's go, les gars. On attaque la friterie normande après. Ah ouais? Non mais putain, mais elle est magnifique cette fresque. Hein. Regardez aussi où on est là. Incroyable. Merci beaucoup pour les 20€ Tefoun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis pas au cœur, c'est des amis. On touche pas au cœur, c'est des amis? Ils pourraient pas décaler un tout petit peu plus haut, les amis, là? Ouais, il faut qu'ils décalent plus haut, en vrai. Il faut qu'ils décalent un tout petit peu plus haut. Vraiment, vraiment, vraiment. Oh, mais c'est quoi la friterie, là? Friterie. Drapeau basque à gauche. Le drapeau basque, c'est les amis, on touche pas au drapeau basque. Donc on touche pas. Merci beaucoup Ruetak. C'est-à-dire que le drapeau offert, cet effet de concert, il est entre de bonnes mains en soi. Ah, let's go Ruetak, merci, c'est lui qui m'a donné le drapeau. Let's go. Il est de retour. Messieurs, dames, on est quasiment 20 000€. Allez, on se donne 20 000€, on est quasiment 20 000 balles avec le concours d'anecdotes, je le rappelle, avec Charles Villa. Il faudra que je trouve les anecdotes d'ailleurs, by the way. Faudra que je donne les anecdotes. Qu'est-ce que j'ai comme anecdote que je pourrais donner, que j'ai à Charles? Il faut que j'en fasse une fausse aussi du coup. Waouh. Faut que je trouve une fausse anecdote. En même temps, pour pas que faire des vrais. Merci beaucoup à Manop pour Charles et la Bretagne. C'est quand le couronnement de Charles d'ailleurs là? C'est quand son couronnement? C'est pas tout de suite, il y a de voir l'enterrement et tout.
pour les anecdotes de viewers, pour les fausses. Ouais, mais c'est dur. Parce que les vrais. Attends, je réfléchis pour les vrais. Les vrais. Si j'ai une idée pour une fausse qui va être une courte. Mais les vrais. J'ai déjà une idée pour une fausse. Et pour une vraie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Les vrais, j'en ai pas mal, mais en fait, il faudrait qu'elles paraissent fausses aussi, donc assez improbable, tu vois. Non, ce matin. Non, mais après, si c'est une vraie, on va dire c'est un peu dommage, dans le sens où c'est une vraie anecdote, mais ça m'est pas arrivé, c'est un peu dommage, quoi. Merci beaucoup, Maxime, merci pour les 20 euros. Mais elle est trop bien, ton anecdote, Sivelle. Elle est trop bien, mais c'est. Vu que c'est. En fait, elle est vraie, mais elle est pas à moi, donc en gros, c'est un peu dommage. Pour les fausses, tu racontes des vraies histoires, mais d'autres streamers. Ouais, mais en fait, c'est, je trouve ça un peu dommage de dire une vraie histoire, enfin que je connais du coup, mais qui est pas à moi, quoi. Merci beaucoup. Merci à ceux qui donnent. Hein. Merci pour ceux qui sont à Road to 20K. Je le rappelle, Road to 20K. On est ensemble. Let's go. Let's go, let's go. Merci beaucoup, Bretagne Indépendante, pour les 5 euros. Merci beaucoup. Nommé roi ce matin, ok. Au fond, ouais. Je réfléchis. La blague du militaire. Ah ouais, mais la blague du militaire, elle est un peu pas. Ouais, la blague du militaire. Oui, on peut faire la vanne du militaire, ouais. La vanne du militaire, c'est pas mal. Mais en fait, la vanne du militaire, c'est. Je réfléchis. Mais pourquoi je réfléchis J'ai pas dit quand Dame était dans le mal. Elle va bien, t'inquiète, Isley, t'inquiète. Tu dis juste pas la phrase de fin. C'est vrai qu'elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal. Ouais, je réfléchis. C'est une blague de Clem à raconter. J'étais abattu, il réadapte chaque victime. La blague. Ouais, faudrait voir. Merci beaucoup, Zex Gamos. Merci pour les 20 euros. Merci beaucoup, Moutonus. Merci pour les 10 euros aussi. Merci à vous. Merci, ça remplit la cagnotte. C'est bien. Let's go. Merci beaucoup, Bézidash qui donne 10 euros. Merci, merci beaucoup. Merci énormément. Je répète, chat, on ne touche pas au cœur, ils vont se décaler au-dessus. Ok, bah si, on touche au cœur du coup. Ils peuvent se décaler au-dessus. Je réfléchis. Merci beaucoup les animateurs du Discord là qui sont en train de gérer pour le Z-Place. Ouais, la blague du militaire, elle est pas mal. Ou sinon, on crée pas une histoire. Sinon, on crée une histoire de toute pièce, tu vois. Genre une histoire où j'aurais dû rencontrer quelqu'un, mais ça s'est jamais fait parce qu'il m'est arrivé un truc de fou. Et où il est arrivé quelque chose de fou. Merci beaucoup, Liata. Merci pour les 100 euros. Merci beaucoup. J'aurais dû rencontrer, je sais pas, un acteur ou un truc comme ça. Et voilà. Non, Kian, non. Ouais, tu peux créer une histoire autour d'Alain Chabat qui vient ce soir. Ouais, mais il va comprendre que c'est obvious, tu vois. Tu sais que tu as foutu le bordel pendant le truc de Big Folio, je sais. Merci beaucoup Skizir, merci pour les 10 euros, merci beaucoup Liata pour les 100 balles. 100 balles de Liata, merci beaucoup. Merci beaucoup Gable Guanadu, merci beaucoup. Allez, on continue à donner, merci beaucoup. Direction les 20 000 euros. Direction 20 000 euros, on prépare déjà le concours d'anecdotes là. Let's go. Attends, je réfléchis.
Oui, j'ai foutu le bordel pendant le concert, oui. Non, est-ce que sur Gimme More, on a matché encore ou pas du tout? On a d'autres messages? Est-ce qu'on a d'autres messages? Putain, faut se reconnecter encore à chaque fois. Autour d'une visite de château. Je réfléchis. Je réfléchis. Tu dis que tu allais entraîner au judo et que tu as écrasé par hasard tes dinéraires et qu'il t'a poutré. Ou que tu l'as poutré. Non, mais mec, je peux pas. Enfin. Non, Marco, je peux pas dire ça. C'est trop gros. Parce que. Y'a pas un champion. Est-ce que Teddy Riner il a quel âge? Teddy Riner il a quel âge là maintenant? Il a 33 ans, j'en ai 27. C'est un peu chaud qu'on se soit rencontré au judo quoi. Les questions de proposition de Z Place ouais c'est ça en fait, c'est un peu chaud. En fait je sais pas parce que tu peux tenter Clarisse. Ouais je sais pas. Oh, c'est pas simple hein. Merci beaucoup hein, pour ceux qui font des dons encore. Merci énormément. On avance vers ce concours d'anecdotes. On ne lâche pas. David Douillet, mais non, David Douillet est trop âgé. Tu es sponsor Gimimor ou c'est juste un truc perso? Ah non, c'est un truc perso. Non, je ne suis pas sponsor Gimimor. Je n'en fais pas la pub. Je n'en fais pas la promotion. Je me dis... Oh, ah putain, attendez. La dinguerie, qu'est-ce qui s'est passé encore? Là, il y a une dinguerie, il y a, je sais pas, Alain Chabat qui est rentré dans peut-être, la salle ouais, avec ouais. Un truc. Non, c'est Rivenzi avec un petit drapeau de la Bretagne. Tout à c'est fait. C'est tout. Il avait mis un drapeau de la Bretagne et les gens huaient pour rigoler. Et ils se sont tous retournés sur Rivenzi en mode « Eh, regardez, il est là, le con, tu vois. » Rivenzi qui arrive comme une fleur en plein milieu de mon sang le plus c'est tout. Sad. Et il rentre comme ça, petit drapeau. Et il me fout un bordel, il m'arrête mon sang. Alors là, mais Rivenzi, il s'est pas rendu compte. Il s'est pas rendu compte. Non. C'est oh, très putain. Rare. Ah, c'était ça, vas-y, mais je l'ai pas vu moi. Alors attends. Je sais pas si. Ah ouais, mais lui. Je vais pas mettre avec le son et tout. Il me nique mon show, les gars, lui. Donc voilà, il est là. Il me nique mon show. Mais ça, je crois que c'est après. Ça, je crois que c'était après le son. Mais voilà. Regardez ce mec. Et il est là en plein milieu. C'est un milieu. Mec qui est en train de me niquer mon show. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. C'est après ou c'est pendant mon ça, show ça, je crois que c'est après. Je crois que c'est après. Oui, c'était après. Des clappings pendant c'était mon c'était non, après, c'était après, c'était après. Non, mais ça va, j'ai pas abusé. Ça va, la lourdeur du type. La lourdeur, le gars fait des clappings pendant que les gars. Non, ça va, non, j'ai un peu de respect. Je suis un peu tête brûlée, mais j'ai un peu de respect. Oh là, et vraiment, oh, la gêne que j'ai eu d'arrêter le. En fait, d'arrêter là, déjà, c'est un peu gênant qu'un évanouissement, ça met pas bonne ambiance de base. Bah, bien sûr. Mais alors, en plus, quand le public m'a regardé en mode, mais t'es con ou quoi, y'a rien. Ça, c'est. Non, mais c'est toi qui a lancé le clapping. Ouais, c'était moi. Merci beaucoup, Calio. Merci pour les 5 euros. Merci beaucoup, la Bretagne de Rive. Merci pour les 5 euros. Merci beaucoup. Merci. Lâchez pas. Ah, je suis désolé. Ça va, c'est pas grave en soi. Ça va. Ça... Ah non, ce qu'on pourrait faire, c'est que. Attends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que Teddy Riner il se blesse pas avant des Jeux Olympiques genre en 2018? En 2016 il est champion olympique hein, Teddy Riner. Hein. En 2016 il est champion olympique. Hein. Teddy Riner. C'est en 2012 ou c'est quand qu'il rate les championnats? Où il est blessé au championnat du monde, je crois. En gros, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc où je lui fais croire que je suis en stage de. On est en stage de préparation, etc. Et que c'est Teddy Riner qui est. Et que Teddy Riner est chez nous, en gros, et qui fait des stages avec nous, et que bah il est dans les clubs, et voilà. Et qu'en gros, on combat ensemble, et qu'il est un peu plus lourd que moi, mais moi j'étais un peu plus fort à cette époque-là et tout. Et sur une technique, je le blesse. Et je le blesse et en fait ça l'empêche d'aller à un mondial et ça l'empêche d'aller à un championnat du monde de judo. C'était genre en 2017 au lendemain de son titre de champion olympique. On est dans un entraînement de judo,
je lui passe Moroté. Et en fait, il essaie de contrer. Et en fait, en contrant, il tombe. Et en fait, il se casse, il se luxe l'épaule. Et c'est à quelques semaines d'un championnat d'Europe. C'est un peu gros, non? Ah, c'est peut-être un peu gros, je sais pas. Il y a aucun monde où ça passe. Tente, mais sur un championnat d'Europe. Pas blessé, c'est trop gros. Pas blessé, mais quoi alors? Je le bats, enfin, je vais pas le battre, tu vois. Il faudrait que ça ait un impact. J'ai juste fait tomber Teddy Riner. Bah non, ça marche pas. Un peu gros, ouais, je sais pas. Après, plus c'est gros, plus ça passe en vrai. Hein. Merci beaucoup, Red Power. Merci pour les 100 balles. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe sur cette place encore? Non, non, mais c'est bon, le drapeau breton, c'est défendu. Remettez des pixels. Pourquoi j'ai genre 3? Oh là, j'ai raté. Pourquoi mon truc est trop grand? Oh là. Tu as vomi sur Teddy Riner. Oh! Tu as vomi sur Teddy Riner. Mais oui, incroyable. Incroyable, ça c'est une trop bonne idée. En gros, je suis en... En fait, on est dans un combat, on s'entraîne et tout, et le combat était... Et c'était très 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 dur. Et en fait, ça faisait... on était sur une grosse préparation, équipe de France, moi j'étais en sélection Bretagne et tout et tout. Et en fait, on s'entraîne, et là, je prends un petit coup sur la tête, je dis que ça va bien. Et en fait, ça va pas du tout en réalité. Et au final, je veux absolument faire le combat. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce gros trait vert là? Et en fait à ce moment là je prends un autre coup sur la tête. Et d'un coup je lui vomis dessus quoi. Je lui vomis dessus. Et j'ai vomi sur Teddy Riner. Voilà mon anecdote. En vrai elle est bien non? En vrai elle est facile à raconter, facile à enrober un petit peu. On met un peu de détails. Et en fait, je lui ai vomi dessus. Trop vieux, c'est dit, prends un gars moins connu. Bah non, mais après, Teddy Riner, c'est il connaîtra, tu vois. Je lui ai vomi dessus. Ah non, mais j'ai fait du judo, j'ai déjà vu avec Teddy Riner. Après, je lui dis quoi si je dis pas c'est pas Teddy Riner? Je lui dis en gros, ouais, en fait, c'était l'équipe de France de judo était venue une fois. Je combats, l'entraînement est très dur avec l'équipe de France, les préparateurs physiques de nationaux sont très très forts. Et donc bah, on galère un peu, j'ai un peu de mal et tout. Je tombe contre un gars de l'équipe de France, je combats contre lui, c'est un peu dur. Et en fait je le vois pas venir, mais comme j'ai pris un coup sur la tête au dernier combat, bah en fait je vomis quoi. Donc voilà. Il se passe quoi là sur Z-Place là? Oh là 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 oh là. Défendez, c'est quoi ce truc? Défendez, ils font quoi là? Ils sont fous? Il se passe quoi encore là? Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe encore là? Wow. Ils font quoi? Pète un plomb les gens là. C'est Zera. Défendez! Mais non mais en fait Zera il attaque tout le monde, insupportable. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais le voir. Zoom rive, je sais. C'est bon, no stress. Calmez-vous. À tout le monde, j'imagine Zera. Merci beaucoup, Menso. Merci pour les 7 euros. Merci beaucoup, Keo, pour les 10 euros. Merci, Arja, pour le 1 euro. Merci beaucoup, Blanche de Chambly, pour les 19,54. Va voir Big Flo et fais ta blague du poisson en regardant droit dans les yeux jusqu'à ce qu'il y ait une faille dans son regard. Mais non, mais ça va. Enfin, je sais pas. En vrai, peut-être que. Non, mais on a une belle relation avec Flo et j'aimerais pas la détruire, quoi, parce qu'elle est vraiment belle et ce serait dommage, quoi. Le drapeau, putain! C'est pas de son fait de quoi? Comment ça, c'est pas de son fait, le drapeau? Merde! Oh, mais on a rien fait, bon. Défendez, merde!
Oh, mais ils nous emmerdent, hein. Ils nous emmerdent. Merde, je me suis trompé en plus, je jette pas. Putain. Oh là là, là là, terrible. Le drapeau ne reviendra pas. Le musée ne reviendra pas. Non mais incroyable, c'est vraiment le meilleur truc. Le musée ne reviendra pas, c'est vraiment la meilleure vidéo de l'histoire. Attendez, le musée ne reviendra pas. Le musée ne reviendra pas. Team the shit out of you, so we are. Dude, where? Okay. Dis-moi alors. Alors dis-moi. Où est le musée? Où est-il? Le musée du Louvre. Ouais. On va le refaire. Tu nous dis 10 minutes, on le refait. Il est perdu. Donne-moi 10 minutes, je le fais. Il arrive. Il est là. Il arrive. Deux, on le refait. All right, chat, guys. Random colors. The point. Désolé, mec. Ça fait quelques années que. Ok, désolé, ça le musée ne reviendra pas. Je ne rappelle pas BTS. Est-ce que c'est ok. Everybody, stop for a second. Is there not something? Is there not something that you? Il est sur un Discord, Zera, ou pas là? Putain, il est pas sur un Discord. Bravo. Putain, défendez. C'est pas Zera. Oui. On est dispo. On défend juste un peu le drapeau breton. Oh là là. Hein? Dans 10 minutes, juste le temps qu'on défende le drapeau breton et on est bon. Putain, cette fois c'est lui, c'est pas Zera. Comment ça? Je le vois sur son écran. Je l'ai vu zoomer dessus. Je suis prêt à faire une concession pour la Bretagne. C'est quoi la concession? On le descend là, le drapeau breton. Mais les mecs, pourquoi est-ce que tu veux absolument récupérer ça? Ah ouais, tu veux. Ça fait 45 minutes qu'on le tient là. Ah ouais? Ouais, on essaye de tout délimiter en bleu là. Mais le problème, c'est que les gens de ma commune sont pas d'accord. On est moitié à dire mon attaque et moitié l'autre. C'est pas ma gueule. T'arrives bien à fédérer les gens autour de toi, quoi. Ouais, il y a 20 000 personnes en fait. Donc, je sais pas. Toi, tu veux le défendre au-dessus de le drapeau? Franchement. Ah mais il y a 20 000 personnes. D'accord. S'ils le veulent, mec, à 20 000, je pense qu'ils l'ont. D'accord. Après, faut faire des dons, quoi. Faut forcer les gens à faire des dons. Bah oui. C'est maintenant. Donc non, je pense que nous, on essaie de se focus là-dessus parce qu'on a plus longtemps. Et moi, j'ai mon petit cerveau aussi à côté. Allez là, allez. Défendez. Mais putain, mais on se fait laver. On est vraiment les catins. De ce The Event là pour l'instant là. On se fait rouler dessus par Zera. On se fait rouler dessus par les fleurs quand ils veulent. Hey, on se réveille quand là? C'est quand qu'on arrête d'être des merdes? Quand on arrête d'être des merdes? Reprenez. Putain, merci. Faites des dons pour récupérer des crédits. Merci beaucoup, Miss Wester. Merci beaucoup, Avi. On est à moins de 500 euros des 20 000 euros. Donc faites des dons, allez récupérer des pixels et posez-moi ces putains de pixels sur ce drapeau. Ils attaquent les cerveaux aussi. Oh là là, alors ça par contre c'est non. Ça c'est hors de question. Ça c'est non. Ça je vous le dis. Ça, moi vivant jamais. Moi vivant, jaja, vous m'entendez? Jamais! Jamais. Merci beaucoup Damien, merci pour les 10 euros. Merci beaucoup Steph pour les 20 euros, merci beaucoup. Allez, posez, mais comment ça on se fait attaquer? Jamais, vous m'entendez? Jamais! Il est où notre... Hop là. Allez-y, posez. Et pourquoi le calque il est décalé là? Il est un peu décalé, non? Comment on fait pour avoir l'overlay? Allez sur le Discord, point exclamation Discord et vous l'avez. Voilà, sur son Discord. Oh là là. Allez-y. Merci beaucoup Damien, merci pour les 10 euros. Allez, go. Lâchez pas. Lâchez pas. Oh là là, il faut pas lâcher là, c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant. Putain, mais c'est dur là. Ah, c'est à moi de tout faire. Hein.
Solari il se fait laver. Ah bon, ils sont où Solari? Oh. Oh la dingue. Oh la dingue. Merci beaucoup Manon, merci pour le 1€. Allez go go go. Go donner, on est quasiment à 20 000 balles. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant. Merci beaucoup Joss. Bon, je vous laisse la responsabilité, faut que j'aille faire une interview. Je reviens, le drapeau breton est refait. Si je vois pas trois bandes de fête, je vous le dis, je coupe ce stream. Je coupe ce stream, je vous le dis tout de suite. Je fais une interview pour MGG et pour JVcom. C'est pour ça que je suis devant, on fait devant le setup, mais voilà, je suis pas là vraiment quoi. Bonjour, regardez, il y a Adzibou. Et comment tu t'appelles? Arthur aussi qui. Et Arthur. Il est là, Adzibou. Adz. Ma vérité. Thank you.
personne n'est là. Il vient de prendre la relais que je voulais prendre. Je suis soir, tous les trois. Pourquoi une bénue? Il a joué au vie et la fatigue. Vous avez fait des choses de soir? Mais non. Il y a assez de copains. Ne touchez pas aux copains. Je laisse les gens faire ça. Non, mais celui-là, je joue avec ça. Mais alors, du coup, on a bu. On aurait pu boire de l'eau, oui ou non? Mais du coup, on n'a pas pu l'eau. C'est samedi, il est 16h27, on est quasiment à 20h. Et enfin, dernière question de tous les deux chez nous. Alors, je pense que t'as pas kické tous les deux les potes sur place. Mais est-ce qu'il y en a un? Tu sais, tu l'as vu ton salinaire. Oh là là, si seulement j'y avais pensé. On pense évidemment à Evox Live et Mister MV, mais c'est peut-être pas celui auquel tu pensais le plus. Pourquoi y'a pas de musique? Pourquoi y'a pas de son? Le drapeau revit, parfait. Pourquoi y'a plus de son? Énorme. J'ai plus de son du tout sur le PC? Ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ouais, clairement. Je regarde juste pourquoi j'ai pas de musique sur mon stream et puis let's go. Ouais, on est bien là, quasiment 20 000 euros. Let's go, on continue. Je vois, il y a pour la Bretagne 5 euros, 10 euros Air Crazy. Il y a Yeto, incroyable, vous régalez avec 30 euros. On s'arrache, le drapeau breton qui revit, donc on est très bien. Il prend très cher, je vais pas le cacher, mais il vit, il existe. Alors, on a eu les fleurs d'abord, et après, on a eu Zera après qui est arrivé juste derrière. Le petit malin là. Let's go.
Re, j'ai fini les interviews. Bon, ça donne quoi là? Ça donne quoi? Attendez, faut que je remette de la chaise un moment. Voilà, team. On a 19 871 euros. Bon, je vous fais un dessin ou pas? Merci beaucoup, Sylvain. Merci pour les 10 euros. Bon, ça donne quoi, là, la Bretagne, là? Messieurs, dames, on est quasiment aux 20 000 euros, là. Allez, il nous reste 120 balles. C'est maintenant. C'est maintenant. On y va. C'est la dernière ligne droite. On y va. Go, 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 go. Go, go, go. Let's go. Si j'avais su, au lieu de mettre 25K dans mon achat immobilier, j'aurais mis pour toi, Rivenzi, oblité réponse au catch, ça aurait été le meilleur investissement, c'est sûr. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est sûr, mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de malaise. No malaise, no malaise. No probs, no probs. Évidemment. Bon, alors, je suis allé faire des interviews pour jeuxvideo.com et MGG. Très sympa, on a dit plein de choses intéressantes, on a parlé de mes meilleurs souvenirs, de mes jeux préférés. C'était cool. C'est pas ça. Pas simple de faire un top 5 de nos jeux préférés quand même. Oui. Ouais. Ah oui, c'est bientôt, bientôt. Bien sûr. Bien sûr. C'est 1h30 1h. Max, mec. Max. Avec Adi. Ouais, avec Adi, ouais. Et avec Panta aussi. Avec Panta. Exactement. Donc sachez que, je le rappelle, parce qu'on va aller faire le maître des fleurs avec Pompon. Ah oui, Ponce. Ouais. Tu sais comment est-ce que je fais pour mettre ton stream? Non, il y a pas trop de, il y a un truc à. Ok. Ouais. Donc ouais. Match de Ligue 1, ASS Bordeaux 2-0, let's go, les relégués. Bon, messieurs, dames, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la chaîne. Oh, il y a Blitzstream qui est en live. Incroyable. Faut que j'aille le voir. Il faut absolument que j'aille parler à Blitzstream parce que j'ai envie de parler de Spassky Fischer avec lui. Il faut que je parle de pourquoi est-ce que Bobby Fischer a battu Boris Spassky. Évidemment, premier américain champion du monde de. Premier américain champion du monde de d'échecs. Et donc, pourquoi il l'a battu? Quel type de. Enfin, voilà, j'ai trop envie de discuter avec lui, j'ai envie de comprendre. I want to understand. C'est pas vrai, tes comédies françaises préférées? Non. Bon, c'est pas tout, mais après, je joue dans 5 minutes. Putain, mais je vais te remettre des fleurs, je pourrais pas. Je suis abattu. Faut que je mette la chaîne de Ponce. Je vais vous laisser, faut que j'aille. Je vais co-host le maître des fleurs. Donc je vous mets ça, je vous mets là, je vous laisse le chat allumé, comme ça vous êtes un peu comme à la maison, vous avez juste le live de Ponce en plus. Et puis voilà, continuez à donner, on est quasiment à 20 000 euros, si je reviens avec 20 000 euros, vous me régalez. Et on est dans la dernière ligne droite pour aller chercher le catch avec Pompon. Et ça, on va se régaler. Je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure les cerveaux.